Cause we can't trust ourselves J. On est là, bienvenue au Frenchcast. Merci, man, de me recevoir. C'est vraiment fin. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien. Rien. Oh, ouais. Rien, mon gars. Moi, je me lève, mettons... Là, je finis tard ce temps-ci parce que je joue tout le temps. Je suis tout le temps à chaud. Mais je me lève autour de 10 heures, mettons. là. Puis, je prends le temps. Je me fais un bon café. Écoute les nouvelles. Je check mes affaires. Je check mon sel. Mais tranquille, mon gars. Tranquille, tout. Dans Villerie. OK. Oh, C'est vrai, tu juste à côté, ouais. J'étais à 10 minutes, fait que... Non, moi je suis pas, euh, pas tant euh, -tu un. T'es un lève tôt toi? Tu te lèves -tu tôt? Je me lève tôt, mais c'est pas à cause que je suis un lève tôt J'aime pas ça. Mais j'ai trop de choses à faire. Ce matin, je suis oh, allé voir sure. notre ami Simon Delille. OK? Alors je fais un podcast avec lui. Ok. Je vais retourner. Oui, son propre podcast. C'est un podcast de quoi? Il parle de qu'est-ce que tu veux faire juste avant que euh, tu meurs. Oh, c'est ta je... dernière journée, tu fais quoi? Ah, tabarnak, c'est une bonne question, ouais. ça. Ouais, ouais. Pis y a plein. Tu veux manger quoi? Tu veux fourrer qui? Des choses de même. il semble, c'est drôle, parce qu'on a, on a 100% parlé de ça au bordel, toi, puis moi. Qu'est-ce qu'on mangerait avant de mourir? Mais on a parlé de ça, genre, avant le deuxième show. Parce qu'au bordel, t'as tout le temps comme deux, trois shows, genre. Pis, ah, qu'on avait faim, là? Ah, ouais, parce que ouais. tout le monde qui était là, tout le monde avait des bons repas. Des bons derniers repas, ouais. Puis alors, c'est comme, OK, non, ça termine là. Puis après, Evelyne avait dit quelque chose. Elle, elle veut toujours du tofu. Euh, ah, elle est végétarienne. Ça, ça me faisait rire, parce que moi, moi je sais que toi, t'es zéro végétarien. <laughs> ça me faisait rire de voir le, la conversation de d'Evelyne qui est comme, moi, je mange absolument zéro viande, rien. Puis toi, je te voyais à côté en silence. <laughs> Puis là, j'étais comme, toi, Pantelis, tu manges... Tu manges plus de viande, t'es comme « Ouais, moi de la viande puis des légumes, <laughs> c'est tout ce que je mange. » Tu te dis j'ai de ne pas manger de viande, crois-moi, moi je mange plus pour que tu <laughs> ouais, changes rien. » Exact. <laughs> le fait que t'es végétarienne, ça change absolument rien parce que je mange trop de viande, c'est bon ça. Ouais, c'est ouais. drôle. Mais c'était fun, on avait un bon week-end. Il y avait des, ouais, des ouais, bons ouais, ouais, shows, ouais. mais le public était très chanceux. Ah, c'était le fun, c'était un dimanche en plus. Les dimanches, habituellement... Le monde soit plus relax. Le monde soit plus relax, mais des fois, euh, tu pognes un crowd qui sont comme non, non, moi, dimanche, lundi, samedi, Tu sais, il y a du monde que ça ne change rien, hein? Dimanche ouais. ou samedi ou. Ça change pas là. Fait que ils n'ont pas une horaire conventionnel. Nous, on pense OK, lundi à vendredi, ils travaillent, mais non, à cause de la pandémie, ça changeait tout. Ouais. Tous les jobs sont différents. Il y a des gens qui travaillent euh, dimanche et mercredi, juste en ligne, ils sont chez eux. C'est ouais. différent maintenant. Oui, mais j'ai comme l'impression que les. Maintenant, les lundis, on les lundis, mardis, je sais pas si tu au bordel les lundis, mardis, sur Ouais, mais... des fois. Ouais. Tu sais, des fois, ça, c'est taf... comme. On dirait que le monde, ils ont réservé parce qu'ils veulent des billets, parce qu'il n'y en a pas. Puis là, ils sont comme, ben, tout ce qui est disponible, c'est le lundi, on va y aller. Mais ils ont zéro le goût d'être là. Là, t'es comme, hey, je comprends, gars, on est lundi, mais comment on a ce un peu, genre. <laughs> Est-ce que tu penses que. Parce que uh, beaucoup de ces personnes-là, c'est parce qu'ils doivent rentrer au bureau lundi matin. Est-ce que tu penses que ça va changer? Parce que je vois plein de personnes qui n'ont pas retourné au. Tra comme, ils travaillent encore, mais c'est de chez eux, c'était le travail. Puis au début, c'était comme non, ça, ça doit être terminé. Mais quand je parle au monde, ça ne devrait pas se terminer. Il y a plein de jobs que tu peux faire de chez toi. Mm -hmm. Pratiquement tous les jobs, même les jobs à la banque, si tu n'es pas dedans, à la quête, pour voir du monde, si tu es en arrière, tu n'as pas besoin d'être là c'est tout du non. data entry anyway 100% mais en ce moment je pense que le gros switch que les gens sont contents c'est que euh, c'est hybride fait que mettons le monde ils font avant ils faisaient mettons un 5 jours là à cause de la pandémie ils ont fait un, un mettons un 5 jours remote fait qu'un 5 ouais. jours à maison mais je pense que là le monde font hey c'est cool si j'ai deux jours au bureau trois jours remote ouais. quand tu y penses quand maintenant c'est quand tu as une job normal D'être chez vous, mettons, le lundi. Fait que tu sors de ta fin de semaine, tu es chez vous lundi, tu travailles. Puis après ça, tu t'en vas au bureau mardi. Puis le vendredi, t'es chez vous. C'est quand même nice pour vrai. moi. C'est très que nice. Que je pense que ça s'en va 100% là-dessus. Parce que c'est vrai que des fois, t'as pas besoin d'être au bureau. là. Mais non. en même temps, je pense que c'est cool dans une job de rencontrer des collègues. Là. Moi, non. <laughs> non, moi, j'en ai rien à chier. Ça dépend de la job. Mais oui, tu peux rencontrer des collègues. Mais je veux dire, il y a plein de jobs que tu vas perdre. On va dire que t'habites loin. Avec euh, tout le trafic dans, à Montréal, tu perds une heure en ayant ouais, une autre. Ouais. Tu perds deux heures de ta vie à chaque jour. C'est beaucoup. C'est clair. Toi, ouais. as-tu eu le, as le feeling, genre, à un moment donné, je sais pas comment, parce qu'on on apprend à se connaître là, tranquillement, ouais. mais tu sais, moi, il y, y a un moment donné où j'ai compris en faisant mon métier que c'est pas tout le monde qui vont être avec qui je vais bien m'entendre. Oui. C'est normal. As tu as-tu eu ce feeling-là? Tu as eu ce switch-là, toi? Pas le switch, j'étais toujours au courant que c'est possible. <laughs> parce que moi, tu me connais assez pour voir que je ne suis pas vraiment gêné quand ça vient de la confrontation. Ouais. Si j'ai besoin de confronter quelqu'un, je vais le faire. Alors à cause de ça, je suis toujours prêt. Mais je sais pas. J'ai jamais fait le switch, juste que je suis au courant de ça Ça ouais. va pas marcher avec tout le monde. Et Moi, j'aime ça, ça. Mettons l'aspect la, confrontationnel de je vais dire ce que je pense, j'aime ça de toi, parce que moi, ça m'a pris du temps à te faire. T'sais, on dirait qu'au début quand j'ai commencé, j'étais comme Ah non, je, 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 je vais rien dire, je vais rien dire, je, vais rien dire je veux pas froisser personne. T'sais, moi je suis un peu Moi j'étais un peu caméléon, je suis comme OK, je suis dans une loge avec telle personne, je sais que cette personne-là a laïe telle affaire, je vais ouais. bon, pas en parler. <laughs> tranquillement, on dirait que je me dis Bah, pff, de la merde je m'en fous là. Mais tout est une même, fait Puis je le vois des fois <laughs> et j'adore, j'adore ces moments-là. <laughs> Ou ouais, t'es yeah. comme Non, moi je trouve que c'est stupide <laughs> T'as quatre personnes Mais tu penses pas que Non ouais, 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 ouais. Je préfère ça Parce que tu sais des fois eux ils vont f... L'effort que toi tu mets à ne pas les déranger, eux ils vont pas faire la même pour, euh, le même effort pour toi Ils vont ouais. pas dire Ok, je veux pas offusquer as Tellement Jay. raison. Tellement Alors raison. fuck that moi je vais dire la vérité Puis on, on peut s'ostiner On peut parler de ça ouais. Parce qu'habituellement ils ont tort ouais. Alors je dois leur dire Ouais. vous pensez que vous avez raison parce que vous parlez entre vous puis vous voulez pas que vous vous chicanez. Alors vous continuez cette merde. Quelqu'un doit rentrer puis dire écoute, c'est ouais. pas une stupide. Ah euh, ouais, ouais. Non non, je comprends ouais. 100%. Puis des fois même que la discussion est bonne parce que tu as des points, tu sais tu es un gars brillant, fait que c'est comme OK ben, je suis pas brillant tu... mais euh, j'ai des peu... points oh, Tu si... intelligent un peu mettons. Tu as un, un minimum de, de sens. Euh, fait que des fois tu amènes des affaires tu fais ah ben c'est pas, pas fou. C'est pas fou puis c'est vrai que je disais, c'est pas parce que moi, je pense pas comme toi que. On va chicaner. On va chicaner puis ça va être de la merde, tu sais. Mais ça m'est arrivé une fois avec un humoriste, c'est un ami, là, c'était Pascal Cameron. Que, oh! Ouais, ça un ami. Une fois que... Il chialait sur une affaire, puis j'ai fait. Je pense que c'était comme. Je l'avais déprésenté au bordel en faisant une joke sur ses cheveux, tu sais. Pascal, il perd ses cheveux un peu. Un peu. Un pas, peu. Pas, pas mal. Euh, <laughs> puis. Euh, je te ben, salue, je, je salue Pascal. Là, ben, si, je ne sais pas s'il écoute des podcasts, mais bref. Puis il m'avait dit après genre, hey, la joke sur mes cheveux, hey, le moins possible, s'il te plaît. J'étais comme Chris, Pascal, t'as gagné Rose Battle, man. Tu allé à Rose Battle à la télé, tu ramassé tout le monde, t'as gagné. J'ai fait une joke sur tes cheveux qui était bonne en passant. Pis t'es pas d'accord, arrête, bro. genre, Comment là. Si t'es capable d'en prendre plus que ça, pis là, il était comme, non, non, je le sais, mais tu sais. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Non, je comprends. Il a le droit, il aime pas ça. Il a le droit, il aime pas ça. C'est une bitch, mais. Toi, tu l'aimes pas, tout? Non, non, moi, je l'aime parce qu'on est des amis. OK. Mais, ouais, moi, je fais des choses pour le déranger aussi. Mais tu vois, le monde est différent. Comme tu dis, ça, ça dérange. C'est pas que ça le dérange. C'est quelque chose que s'il est pas en rose, il veut pas discuter de ça. Ouais. Ça le dérange, c'est qu'on parle des mmh. cheveux. Mais euh, il peut en prendre, c'est Pascal. Mais ça m'avait juste un peu hit de... aïe hey, hey man, t'sais, on, on, t'sais, on fait le métier qu'on qu se chirpe le plus, qu'on qu se fait des jokes le plus. <laughs> tu sais, que quand t'animes un show puis tu niaises quelqu'un dans le public puis la personne, elle le prend personnel, t'es comme, hey, t'sais, monsieur, madame, je fais des blagues, là, puis tout, sais après ça tu montes dans des loges t'es comme God, les nains là le monde sont susceptibles mais là toi t'es un humoriste puis tu me dis ah non tu sais ça attention j'étais comme comment là bro là c'était 100 une joke c'était même pas méchant ou rien c'était comme c'est bon ah, que tu viens d'avertir le monde que Pascal Cameron pas un bon un gars. <laughs> <laughs> moi, je te dirais, ce du genre de personne. Je m'excuse, euh, j'interromps. Vas-y, mon vieux. Euh, ça dépend de mon mood aussi. J'ai eu une ouais. euh, bonne mmh. journée. Si j'ai eu une mauvaise journée, si tu me niaises, tu vas avoir une mauvaise journée aussi. Je vais me garantir de ça. <laughs> <Ouais. rires> c'est pas, <laughs> bon. pas bon ça. <laughs> ah, <pardon. rires> en plus, il <laughs> me, me semble que votre humour entre vous, c'est constamment de vous envoyer <rires> chier. <laughs> c'est vraiment. Oh, tu veux dans les loges Si quelqu'un et à l'écoute, quand moi et Jean-Michel, on se parle. Wow, c'est tu peux pas sortir ça sans contexte c'est trop extrême ah ouais. <laughs> mais tu je pensais qu'on est des ennemis tu sais? ah ouais hein? euh... ah, mais ça c'est drôle je vous écouté quand même une coupe de fois c'est vrai <laughs> que des fois si tu si moindrement tu, compre... tu, tu, tu peux pas comprendre que l'humour ça peut être genre se piquer à ce que ça en vous regardant, des fois, tu fais ah, il, il va-tu bien, Poseidon Y est tu correct, genre Y a-tu besoin de parler <laughs> parce que, À Too Drink, minimum, des fois. Ah, oh, non, Too Drink, c'est ça, c'est quelque chose d'autre. Mais moi, je souviens, je parle de Jean-Michel parce que je me souviens, c'est pas tout le monde qui connaît, qui nous connaissent ensemble. C'est sais comment on est Alors, j'ai rentré dans la loge, lui était déjà là. Puis, j'étais comme Hey, ça va tout le monde Puis, lui était comme Oh, pas lui. Mais il a dit ça d'une manière sérieuse. Alors, moi, je sais qu'est-ce qu'il fait parce qu'on fait la même affaire. Alors, c'est qui qui était là qui était comme. Tu vois, mal à l'aise, regardez, c'est bizarre. Puis moi, j'étais comme, encore avec ça, hein? Encore toutes les noires doivent être ici. <laughs> Alors lui, est comme, ouais, parce qu'on n'a pas assez de à cause des grappes. On se gnaise, mais la personne qui savait pas voulait rien dire. Ouais. Elle était juste comme, je rentre-tu dans ça, puis après, c'était moi, puis lui qui ont brisé la glace. Et on commence à rire, puis non, on... c'est ça qu'on fait. Ouais, <laughs> c'est euh, oui, bon pas vrai. Euh, moi, ça, moi ça, honnêtement, c'est bizarre, là, mais moi, ça me met à l'aise. Cette, cette affaire mais, Moi aussi, j'adore ça, on se mais, mais, ouais, Mettons je suis avec vous puis vous, vous vous envoyez chier par rapport à des trucs que comme, je, on peut même pas concevoir. <laughs> moi, je, je, moi, je suis juste... Ah, je, clairement, ils ont du fun puis il y a quelque chose de le fun là-dedans de, de, de gars qui, qui se niaisent sur leur culture, leur nationalité, leur whatever. C'est juste amis viennent, de, signais, ouais. des amis qui se Des amis qui se il y a quelque chose de le fun là-dedans puis on dirait Des fois, je fais comme Christ, S'ils sont autant à l'aise à faire des jokes, genre, on dirait que je sais pas, je trouve ça je... Ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Mais ça. Moi, j'aime ça. Si tu ne me taquines pas, si on est amis puis tu ne veux pas me taquiner, c'est comme on n'est pas vraiment des amis. Tu, sais, tu, tu ouais. dois être capable. Parce que moi, j'aime ça niaiser tout le monde. Alors, si tu es avec moi, tu dois être capable de me niaiser. Tu sais. ouais, ouais, je vais dire des choses, je vais dire des choses mal en français, on va dire. C'est bon d'avoir quelqu'un qui dit Ah oh, ouais, c'est comme ça que tu dis le au lieu de là, tu sais, <laughs> Puis tu me niaises. C'est drôle ça. Ça ne ouais. m'affecte pas. Mais ouais. il y a certaines personnes qui pensent Oh, je ne peux pas dire parce que je ne veux pas l'offusquer. C'est pas ça qui va m'offusquer. Tu dois faire quelque chose tu dois être quelqu'un de mauvais pour ouais. mon fils. toi d'une tu sais quelqu'un qui t'as tué quelqu'un tu sais quelqu'un de quelque chose de vrai ouais pas de niaiser c'est ça notre job mais toi là en faisant de l'humour en français là mm. je trouve que on est tellement content genre de dire on trouve ça tellement le fun hey man il fait de l'humour en français c'est sa deuxième langue sa troisième langue whatever il est tellement fort de le faire, genre, que, que même si tu dis la ballon, je vais être C'est comme... ma fucking langue maternelle, ok, look... <laughs> Ah, ben là, t'es ta en français, même. <laughs> ah, ouais, non, Mais... et les gens me laissent Mais je mets d'efforts, beaucoup d'efforts pour que. Je pas beaucoup d'erreurs. Oui, oui. Mais mettons, si moi, j'allais jouer en anglais demain, je parle pas mal en anglais, mais c'est sûr que mes réflexes sont pas là. Ouais. Fait que moi aussi, je sortirais des mots, mais j'ai l'impression, puis corrige-moi si j'ai tort, j'ai l'impression, je me ferais bien plus niaiser dans la loge par, les, par le monde en, en anglais, non? Ça dépend. Si tu es bon, non. Si tu es bon, ils vont aimer ça, mais ça dépend. Tu vas tomber sur qui Mais tu as, as raison. Ça, les Français sont beaucoup plus généreux avec ça. Ils sont heureux. Ils sont... oh, ils... ils... Fais un effort. Fais un effort, oui. Alors nous aussi. Ouais. En anglais, c'est pas toujours comme ça. C'est plus un peu hater. Oui, on dirait qu'il y a, a peut-être trop de stand-up en anglais où il y en a tellement plus que le monde font Vaf Comment on ne se parle pas notre langue, genre. Ça se peut-tu? Ça, ça se peut, mais tu, tu vois, je vais te donner un exemple. Ça, Sébastien Bourgault, tu le connais? Tout le monde <laughs> oui. le connaît, let's go. Sébastien Bourgault, lui, il rentre très, très fort. Puis au début, tu aurais pensé Ah, oh, c'est parce qu'il joue comme un con, son accent, et tout ça, mais même quand il joue pas comme... Il, les mots sont pas brisés ouais. il est drôle alors le monde apprécie ça puis tu vois que c'est plus difficile pour lui parce que c'est pas sa langue maternelle mais il met de l'effort alors c'est apprécié c'est un peu différent en français c'est ouais. plus apprécié bien sûr parce que c'est pas tout le monde qui parle français alors en anglais c'est plus comme hey parle anglais toute, toute la planète parle anglais ouais. mais je vois lui il rentre très 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 fort puis le monde apprécie ça mais ouais, en français c'est juste différent parce que tu peux pas juste c'est pas en l'anglais c'est beaucoup plus facile le français. C'est clair. La langue est, est faite pour que ça soit parlé vite. Ouais. Puis de l'humour, faut que ça soit. Faut le plus vite au punch. Là. Des, fois, des fois, je pense à des prémisses en anglais. Puis je suis comme Ah, ça me fait chier. Mettons, j'ai pas d'exemple clair qui me vienne en tête là, là mais tu sais, je pense à la prémisse francophone. Puis je fais Ah, man, c'est même trop long là. Mais... Mais en anglais, t'es es direct là, là. C'est ça, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Des fois, ils me demandent "Et hey, pourquoi S'il y a certaines personnes qui me voient le faire une gag en anglais puis en français. Et hey, pourquoi tu le termines comme ça en français, mais en anglais tu termines comme ça J'essaie d'expliquer parce que tu peux pas traduire directement, c'est impossible. C'est pas assez drôle. Il y, y a même des gags que moi j'ai, qu'il y a toute une section, une autre minute que je dois rajouter dans une des deux langues pour le rendre drôle que si je mets pas ça dans telle langue, ça peut pas être drôle. Mais ouais. dans l'autre, même sens même, tu mon gag de chien, ouais. en anglais, il y a à peu près une minute de plus après la ligne finale. Okay. Parce que la ligne finale en anglais, c'est pas au niveau de drôle comme en français. C'est une langue différente. Ouais. Ce n'est pas le même punch. Ouais. Alors, j'ai besoin d'une autre punch. Mais tu, tu dois être au courant de ça. Tu dois savoir que les langues sont différentes. Tu dois mettre un effort. Ah, ça pour bon ça. Bon puis des fois, quand je te vois jouer, je, le, je la... Parce que c'est pas la même syntaxe non plus. Là, hum. Des fois, le verbe il est avant en anglais ou il est après. Là, puis, euh, je l'entends. Le, je Dans ta phrase, je fais OK, en anglais, il dit de même. Oh, puis là, il dit comme ça. Mais je, moi, ce que j'aime, c'est que tu le dis pas. Que tu, pota, que tu parles pas tant en français. J'aime ça que tu le dises pas. Tu <laughs> rentres, puis t'es comme Salut! Ah, <laughs> tout le monde est comme OK? Qu'est-ce qui se passe? <laughs> puis là, t'es comme et hey, où la crème pour le vagin? <laughs> puis, tu l'expliques pas. J'adore ça, bro. J'adore ça. C'est drôle, ça. Euh, J'ai beaucoup de plaisir euh, avec ça. J'aime ça. ça. Toi, ça fait-tu longtemps que tu fais du stand-up? Ça euh, fait pas tant longtemps. Mais tu sais, moi, moi, je suis rentré à l'école de l'humour à 8 ans. Okay. J'ai 28. Ça fait ah. 10 ans que je suis. Que je fais. Techniquement, ça fait 10 ans que je suis dans le spectre de l'humour. Ça fait 8 ans que je suis sorti de l'école l'humour, Mais tu sais, la vraie école, c'est quand tu fais les bars puis les clubs et tout ça. Fait que je te dirais que ça fait ça, Ça fait, fait 7-8 ans que je fais ça que je fais ça, puis... Euh... That's it. C'est ça, je suis rendu là, man. Les podcasts, comment est-ce que tu as rentré dans les podcasts? Mais ben moi, je suis... Je, je, moi, je suis fan des podcasts. J'adore ce médium-là. Là. Tu sais, moi, je suis beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, tu sais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça vient autant. J'aime les voir aller. Je suis comme... Eux, ils font ça. Nous, ça va être dans deux ans qu'il se passe ça, tu sais. Et t'as raison, c'est toujours comme ça. C'est tout le temps comme ça. Puis les podcasts, tu sais, mettons les shows sur YouTube, tu sais, les, les, les podcasts sur YouTube que... Tu sais, les Américains, on dirait que c'est les premiers qui ont fait. Tu sais, mettons, flagrant avec Andrew Scholes, genre. C'est le premier qui a fait un show YouTube, mais sur Internet. Mais ah. ici au Québec, on essaie encore de faire des, des talk shows à la télé, mais c'est putain la télé qui fonctionne. Le pre, je le dis en ce moment, s'il y a des gens qui ont l'argent et le, 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 le fame pour le faire, mais je pense que la, la première personne qui va faire un talk show ici au Québec qui est juste sur YouTube, cette personne-là va. Ça va, ça va, ça va marcher. Là. Moi, j'ai une idée. Mais j'ai besoin de, comme tu as dit, quelqu'un avec de l'argent, vrai argent, faire une show YouTube. Mais tu sais comment? Tu viens, euh, tu sais, comme Saturday Night Live à chaque samedi, puis ouais. tu sais, euh, le bye-bye. Mais à chaque semaine, puis ça, c'est beaucoup d'humoristes ensemble. On est là, on écrit, on fait des sketchs à chaque semaine. Les sketchs sont déjà préparés sur de haut niveau. Puis c'est des grands noms, c'est pas n'importe qui. Tu sais, c'est des vrais humoristes ici. On fait ça. Puis on est live, on va dire, les samedis soirs ou dimanche, on choisit la, la journée. Puis là, on peut le faire en studio avec du monde qui sont là, présentés, mais comme le vieux « Chapelle Show ». On a des gags, on parle avec des, des invités, on ouais. peut avoir des invités mais après ça, bam, on lance euh, ouais. une sketch. Puis les sketchs à cause qu'on on les a fait pendant cette semaine ou la semaine d'avant et tout ça, ils sont tous reliés à la réalité. Alors on peut faire des sketchs vite, vite, de quelque chose qui vient d'arriver. Si on veut niaiser des politiciens, un autre humoriste, n'importe quoi. C'est comme le bye bye, mais à chaque semaine. Ah, C'est de la job, mon gars. C'est de la job. T'sais, on a des gens qui sont prêts, qui sont, ils ont assez de talent c'est juste que pour qu'ils viennent à on, on a besoin du startup cash pour ouais. qu'ils se font payer parce que tu ne peux pas être là pendant ouais. six semaines tu dois travailler tu dois payer ton loyer ouais. alors si je trouve la personne qui est comme oh shit je suis game <coughs> fucking pick up it. on sait jamais bro mais let's go <laughs> tu sais jamais on oh, va me dans l'internet mais moi je pense que mettons ça, ça, ça prend quelqu'un de genre Mike mettons mm -hmm. Qui est comme "Mais ah, gars moi j'ai beaucoup trop d'argent je sais pas quoi faire avec ce projet là je trouve ça fucking intéressant voici un, un montant X puis moi j'ai le droit de décrire ou genre quand ça ouais. va prendre un gars de même parce que tu peux pas tu, tu, tu peux pas faire ça si t'as pas d'argent non t'as besoin d'argent ça coûte, tellement, ça cher, ça coûte là. tellement cher puis as besoin que la qualité est très haute au début ouais. et là ça ça devient après deux trois mois ça ça devient le show du Québec, à cause qu'on est, est tous clair. ensemble puis on est, on peut ignorer n'importe qui, les anglophones comme les francs, on peut ignorer les Américains comme les Québécois, Il y a, on n'a pas de limite. limites. Comme invité, tu peux avoir, Imagine, ça c'est juste un exemple, imagine que, euh, on est live les samedis soirs, si on va mais à cause qu'on est euh, dans une stage avec du public, puis on parle avec eux. Notre invité, c'est une humoriste qui est en ville qu'on connaît, mais c'est une humoriste américaine anglophone. Ah, et ça serait fou, ça. Puis il est là, puis il essaye, tu sais, puis tout ça, puis on du avec, puis il regarde les sketchs, même s'ils ne comprennent pas, ils voient qu'est-ce qui se passe dans les sketchs, et ça, et ça serait juste malade. cool. Puis on peut le faire parce que si c'est à nous, si sur l'Internet, personne ne peut nous arrêter, tu vois. Ah, c'est clair. Alors c'est possible, mais je dois trouver la personne qui, euh, une qui a une budget pour ça, qui, qui, qui ose dollars. Oui, ouais, exactement. Pour Mais s'ils croient dans ça, il, il, avec les ouais. pubs et tout ça, ils vont refaire ouais. leur argent parce qu'on va avoir des sponsors. 100 Moi, je, ouais. moi, je pense qu'il y a plein d'idées que j'ai comme ça. C'est ça, ça un, un de mes problèmes, je trouve, c'est que j'ai des idées qui coûtent cher. Genre. <laughs> aussi, hein. Puis comme j'espère un jour arriver au moment où j'ai. Moi, si j'aimerais ça des fois gagner, genre la loto mais Juste pour faire ces projets-là, genre. Ouais. C'est là que je vois que j'aime ça parce que je me dis, si je gagnais le gros lot, je, je ferais pas juste calcer mon camp au Caraïbe, tu sais. Je viendrais le voir je ferais, hey, bro, ça tente-tu pour vrai cette affaire-là? Là, là j'ai 300 000, tu sais, mettons. Ça me ferait triper, puis euh, c'est je trouve que ça marcherait parce qu'au Québec, la télé meurt tranquillement, puis on le voit, même si en tant qu'artiste, on fait de l'argent quand même quand on va à la télé, tout ça. Clairement, la télé attire plus les jeunes. Les jeunes sont, sont sur TikTok, sont ailleurs. Pour que la culture continue à bien fonctionner au Québec, la culture du stand-up puis de, de, de l'humour en général, il faut qu'on se concentre sur des trucs comme YouTube puis des shows de même. Mais c'est ça, c'est qu'après ça, ben, ça, ça prend ça prend de l'argent. Ça. Puis ça, ça rajoute une... comme euh, une rélevance... Comme... C'est que la culture québécoise comme tu as dit pour que ça reste, ça doit shifter un peu pour que tu restes devant les jeunes parce que c'est eux qui vont continuer la culture, c'est sûr, 100%. Bon Au Canada, je vois que eux avec le CBC Radio Canada en anglais, ils ont mal fait toutes les affaires, alors personne ne ouais. regarde qu'est-ce qu'ils font, c'est toujours de la merde. Okay. C'est vraiment ils poussent ils ne poussent pas comme la culture canadienne, ils poussent des agendas politiques. Alors le monde est un peu fatigué. Ils sont comme, OK. Ben, fuck that, je ne veux même pas regarder ça. Ouais, c'est ça. Mais nous, ici, je pense que ouais, si on chiffre puis on fait quelque chose qui est culturellement euh, fort, puis le monde, tu sais, à chaque semaine, c'est comme, Oh, ça, c'est arrivé. Imagine quand j ils vont le ramasser au, ouais, au show. Ouais, ouais. Alors là, on fait une sketch sur ça. ça puis c'est important, le monde va regarder pour. OK, ils vont-tu parler ouais. de ça? Ils vont tu parler des élections, ils vont dû parler. De... Ouais. Moi, je pense que ça serait cool. Ça ouais, peut pis... commencer toute une nouvelle wave. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense que qu ce qui est le fun avec, mettons, les, des trucs comme YouTube, c'est que si tu le mets en live, mais après ça, tu le mets disponible, puis tu peux le réécouter 12 fois si tu veux. Là. dans le sens, il y a quelque chose de cool avec ça. C'est la télé, c'est. Tu sais, je comprends l'aspect de. il hey, faut que tu le pognes, sinon tu le. Mais le web, c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, j'ai mis mon, mon special sur YouTube, justement. Ouais. Pis... Très bien fait. Ouais, puis je suis comme. Je, je m'en fous de. Honnêtement, je m'en fous de il y a combien de views. Je le sais qu'il est là. Si un jour, dans six ans, les gens font. Ça ressemblait à quoi son premier show? Il va être là. Ouais. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. puis je pense que. Tu sais, tu regardes ça TikTok en ce moment. Je sais pas si t'es es TikTok un peu, toi. là. J'essaie. Tu je tu... sais, des fois, je rentre, mais après, j'oublie pendant trois semaines, puis je re-rentre. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a du monde qui pogne à un niveau, là, que. <laughs> man, ils remplissent des, des, des stades, pis ils remplissent des. des des NTLUS des avec des vidéos TikTok tu fais comme c'est je comprends puis c'est fucking nice mais il faut qu'on utilise ça à bon escient il faut qu'on utilise ça puis que ça puis le monde voit du bon stand-up tu sais dans le sens genre moi j'ai toujours pensé que le bordel devrait filmer leur show puis les mettre sur YouTube personnellement ah oh ouais ben tu regardes mettons des pages euh, tu sais tu regardes de la Factory ils ont une page YouTube ouais genre 8 millions de views, tu regardes Paname, je pense qu'ils le font en France en ce moment tu es un comédie club que je sais pas moi il y a un show par mois que tu décides de filmer tu fais un pacing puis les gens qui veulent, un, qui veulent mettre leurs 10 minutes ben, tout est filmé tout est fait la bannière bordel est déjà connue ça c'est pas une mauvaise idée si, si les humoristes sont au courant c'est cool comme idée ben, ouais. il faut qu'ils soient au courant dans le sens ouais. tu, je pense que ça serait puis là, je, je te dis ça mais tu même pas réfléchi mais il faudrait que ça soit hey, la soirée filmée si tu veux y aller, Pantelis, as-tu un 10 minutes que tu veux mettre? Oui. Ben, viens le faire. Nous, on va mettre sous la bannière le Border Comedy Club sur YouTube, on va mettre Pantelis, le chien au vétérinaire, whatever. Ouais. Puis t'as ton fucking show. Puis, euh, je sais pas moi, il y a 30 000 personnes qui suivent la page. Ben là, as des chances de te faire plus. Voir. Moi, j's... je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait encore. Okay. Tu regardes le gang show, là? ça marche au bout Ah, oh, le gang show, c'est fun, ouais. Puis le gang show, qu'est-ce que j'aime de ça? C'est des amis qui ont créé une business. Hum. Mm -hmm. Si tu regardes Charles, il, il, ses amis, sa blonde, ouais. tu, tout le monde. Puis c'est ça le rêve, de créer quelque chose avec tes bien. proches. Et ils on, ont vraiment poigné avec ça. Ah Puis tu sais, faire, faire de l'argent. C'est <laughs> ça, faire quelque chose qui marche. Faire du cash, ouais. là, les, les, les gens ne le savent pas, là, mais tu sais, Anto puis Charles, ça va bien. là, Ça va, ça va très bien. Puis c'était pas toujours comme ça. Ben non. Puis en plus, dans notre industrie, le monde oublie, c'est difficile de. C'est pas facile de faire de l'argent. Puis il y a un autre aspect. Le monde pense que les humains. Ah, oh, vous êtes euh, subventionné. Vous... Moi, j'ai jamais eu même pas un sou du gouvernement. C'est tout de mes poches. Je savais même ouais. pas qu'on pouvait chercher cet argent-là. Ouais, ouais. Puis quand même, j'ai essayé maintenant que je savais ça. Puis même maintenant que j'essaye, ils me disent ah, fuck toi, non, ce pas pour toi. <laughs> Alors, je reçois rien du gouvernement. Puis la majorité ne reçoit rien. Oui, ben en fait, je pense que c'est surtout le, le... quand tu pitches des, des shows télé ou quand tu te fais produire des, des shows télé, des arts. Je pense que c'est beaucoup ça, là, parce que c'est vrai que. Pour le stand-up, on n'est pas subventionné puis pas pendant tout. Tu sais, je te dirais. Il y a peut-être comédiens je pense, qui se font donner. Enfin, encore là, ils ont un masse d'argent, mais. Je pense que c'est surtout pour la télé, cette affaire-là. Mais le stand-up, c'est toute l'autoproduction, c'est toutes nous ah. autres. Toutes vous autres ici, c'est vous autres. Il n'y a, a pas personne qui. Mais c'est ça qui est rough de ce métier-là. C'est que si tu veux réussir à toucher à. Tu sais, parce que quand tu regardes ça de loin, tu fais « Man, il y a du monde, qui font tellement de cash. Ouais. » C'est pas nous <laughs> Mais tabarnak, <laughs> que pour se rendre là, il faut que tu t'investisses ton argent. Tu je parlais avec des amis, il y a pas long, qui, qui achètent des maisons, qui, qui, qui mettent de l'argent de côté pour faire des moves financiers, immobiliers. Puis là, ils me disaient « Ah, tu mets-tu de l'argent de côté? As tu tu penses-tu à faire ça un peu? » Puis je fais « Ouais, mais moi, tout mon argent de côté... » Je la remets dans mes projets. Oui, je n'ai pas d'argent à côté. C'est ça que je. Je n'ai pas une comprend... ouais. de scène. En fait, c'est ah. vraiment ça que j'essaie de dire. Je n'ai pas une nasty scène. <laughs> Dès que j'ai de l'argent, je vais en mettre à, à côté. Ben, mais c'est 100% ça. Moi, quand j'ai de l'argent, mon podcast me coûte de l'argent. Ouais. Je suis capable de, de le rentabiliser par moi-même d'une manière ou d'une autre. Mais ça reste que, moi, si je mettais tout l'argent que je mets dans tous mes projets en ce moment de côté pour m'acheter une maison. Je vois pas comment je pourrais réussir dans ma carrière parce que ouais. oui, j'aurais une maison, mais je serais comme bon, mais J'ai pas de podcast. J'ai pas, pas, pas de podcast, j'ai pas, pas de show sur YouTube. J'ai pas. Personne me connaît, t'sais, t'sais, Ça me sert à quoi d'avoir une maison s'il n'y a pas un chat qui sait que je fais de l'humour, genre Je suis avec toi. Ça sert à rien, C'est tout un investissement, mais c'est fun. On est chanceux, tu sais, on est dans un pays où on peut dire ce qu'on veut. Malade, man. personne ne veut nous arrêter. Euh... C'est malade. Ce métier-là, c'est. J'ai une relation amour-haine avec ce métier-là parce que. Il te pousse d'un câble, ce métier-là. Tu sais, dans le sens où il y a des moments où tu es comme, je, je comprends pas pourquoi je continue. Genre, c'est fucking dur, là. J'ai un feeling. Puis il y a une affaire qui arrive, tu es comme, ah, that's why. Right. Ah, oh, c'est bon que tu dis ça. Parce que moi, je sens comme ça beaucoup. Il y a des moments où je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Puis après, quelque chose pointe, puis je suis comme, ah oh, non, c'est pour ça. Ouais, 100%. Tu sais, j'en ai eu un, il pas long. Euh, je faisais la partie de Pinot. Puis il euh, y a un dude qui vient nous voir après, mais un dude, là. Genre, tiens, un. La même moustache que Poseidon, là, Oh, genre... un pédophile! <laughs> ah, oh, oui. <laughs> un pédophile est euh... venu nous voir! <rire> <rire> il y a un monsieur vraiment louche, après ça, on a appelé la police, mais bon. <laughs> <laughs> il est venu nous voir. C'était Poseidon! <rire> <rire> Avec des lunettes. <laughs> puis, ouais, exact. Puis, euh, la, la petite chemise carottée, puis tout, puis il vient nous voir après le show, puis. Tu sais, il est comme sur le bord des larmes, un peu, là. Puis là, ça va, man? Ouais, merci. Mes amis sont partis, mais moi, je suis revenu parce que je voulais vous dire que. Tu sais, vous le savez pas, mais vous changez des vies, là. Tu moi, en tout cas, tu passe un petit mauvais moment, mais merci, puis... Tu sais, tu fais comme... Fuck, OK, moi, je suis chez nous, des fois, je me pose des questions, mais quand je fais ça, des fois, il y a un doute qui connecte avec ça, puis il est comme... Hé, hey, moi, une chance tu t'es là, parce que sinon, euh, j'aurais tap out, là. T'es comme... Je sais pas, on dirait que des fois, je fais comme... OK, il bon, y a une bonne raison pourquoi je fais ça, dans le fond. Là. Ça m'arrive aussi que le monde dit ça, même en tournée, c'est partout au Québec mais je veux pas que ça c'est ça la raison laquelle je le fais parce que c'est quand, quand même une métier ridicule non non c'est juste c'est ridicule pour certaines personnes ça, ça les aide c'est cool ouais. mais mon intention c'était pas ça je suis, je suis pas un ange qui est comme oh je veux sauver le monde qui se suicide pas <laughs> c'était pas, pas, suis pas suis ça la croix, toi, là, non c'est ça je, je, je veux pas qu'on exagère non plus ouais, sais. Ouais, ouais. même le terme artiste m'énerve ah ouais hein? pour nous oui pour Pourquoi? nous ça je sais pas Je c est, c est une, je sais pas ouais. ça m'énerve mais ben, je comprends comme, toi bro on parle de fesses bro <laughs> Mais je comprends. Charlotte Cardin, ça, c'est une artiste. Oui, oui, oui. Mais je comprends ton. C'est ça, je comprends d'où tu viens, mais des fois, je fais comme. Chris, il faut qu'on te défende le fait que c'est un art, cette affaire-là. c'est un art, c'est juste que je ne suis pas confortable avec. Je comprends. C'est un peu comme la UFC. La UFC, c'est un art. Martiaux, Mais en quelque part, ils se pètent la gueule, Oui, oui. Non, c'est un peu comme ça, ouais, t'as raison. Ça ressemble à ça un peu. T'es comme, oui, c'est un art, mais en même temps, Chris, tu m'étouffes, Festy, puis tu me calises des coups de genoux dans. C'est -ce <laughs> romantique comme art, c'est pour ça. Mais bref, il y a quelque chose de... Ouais. T'as capté ton heure où euh, Léandor Non, moi je l'ai capté à la salle Claude Léveillé à Place oh, des Arts. Oh shit, nice. Ouais, euh, J'essayais de quoi Je le faire de quoi de différent J'aime cette salle. Ouais, tu le fais. Ouais, ouais euh, quelques fois, ouais, puis j'aime ça. Ouais, c'est cool, c'est pas payé. Tu sais, c'est fait pour la musique, fait que le son il est vraiment. Euh, il étouffe, là. Fait que tu sais. Au niveau de l'acoustique, mettons, les gens, quand ça rit, ça rit moins fort, mettons. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, dans ouais, le sens ouais. que tout est comme plus d'MP. Mais non, c'était cool, man. C'est super intime. Moi, j'aime ça, les shows. J'adore les shows intimes. Moi, J'aime le 80-100 places. On dirait que plus que ça, c'est un autre game. Là. Quand, quand t'arrives dans des salles de 1002 personnes, j'en ai fait quelques premières parties de salles de ça. Là t'es comme oh shit il y a quelque chose de weird de parler à mille personnes de quelque chose de personnel pas fort dans le micro tout t'es comme trop grand tu sais quand le stage est trop grand puis t'es dans le milieu de même il y a quelque chose de comme mais sais pas tu, tu, tu parles de ça puis on, on a parlé de ta captation tu sais qu'est-ce qui est bizarre moi j'avais une conversation euh, tu connais Eddie King Ouais. Lui, il... c'est de humoriste, il est nouveau, il est jeune, il va devenir très <laughs> ouais, bon. il s'en ouais. ouais, vient. Ça. Mais Eric King, parce qu'on parlait de. Moi, je lui hey, je veux capter mon heure. Tu sais, mais non, c'est pour ça que je roule mon heure. Je veux... je veux que ça soit prêt, puis je veux capter ça. Puis il me dit, tu veux le capter où J'étais comme fuck, je veux... je veux une place intime, puis petit, mais pas le bordel, parce que Mike a dit, je sur le Je veux pas que ça le même feel, tu sais. Ouais. Puis il me dit, pourquoi tu veux une place petite Je dis, oh, parce que c'est comme ça que j'aime l'humour, le stand-up. Puis après, il me dit, écoute, bro, je sais que tu veux ça, mais. Quand tu le sors, ce n'est pas pour le monde qui te connaisse, puis pour le monde qui t'ont déjà vu. C'est pour le monde qui ne te connaissent pas. Puis veut, veut pas. La perception va être que c'est petit, il ne peut pas remplir des salles. Oh, personne veut. Ouais. Il dit, même si c'est la meilleure place, c'est petit, c'est peut comme le bordel. Mais la perception va être, tous les autres, ils sortent en, dans un théâtre, puis lui dans une petite place. Okay. Il, il dit, alors tu ne dois pas penser à toi comment tu... Tu vas être confortable. C'est vraiment la perception parce que pour toi, vraiment, la job que tu vas faire pour le capter, c'est pas pour tes fans qui t'ont déjà vu ils vont venir anyway, c'est pour d'autres gens pour voir que il hey, y a quelque chose qui ah, se passe. C'est pas fou ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est ça. J'étais comme, fuck, c'est pas fou parce que t'as raison. Ouais. Quand je pense à les big special des Américains, ils sont tous dans des théâtres maintenant, même s'ils sont pas habituellement dans les théâtres. Mais si je peux montrer, hey, c'est une bonne show, ça, je ça suis quelqu'un. Que ouais. ouais. Ah, il y a raison, le fucking gars! Ah, il y a, il y a raison. raison, il y a raison. ça fait chier parce que c'est le, le fameux motto de. « fake it till you make it », dans le sens où c'est comme... Hey, Il y a une moi, partie de ça qui est vraie. Ben, 100%, 100%. Honnêtement, no joke, là, je base un peu ma carrière là-dessus depuis des années. Tu parce dois. Que, ben, parce que j'essaie que tout soit clean dans ce que je fais. genre Les podcasts soient bien filmés, les, les le stand-up soit bien filmé. Moi, je suis pas fan de la petite caméra tout croche puis le son mollo. Je ne suis pas fan de ça. Non, 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 fait que des fois, je pense que c'est sans que je le veuille c'est ça qui arrive, mais quest qui a raison, man? Quand tu regardes un, un clip d'un special qui est genre dans une salle de 400 places, t'es comme, ok, ça marche, là? C'est qui ça? Je sais pas c'est qui, mais ça, ça fonctionne, c'est-tu? sais quoi ouais. d'autre, de la perception? Tu sais, qu'est-ce que quelqu'un m'avait dit? La première fois où je suis allé euh, faire une heure au Québec, à Québec, c'était. Euh, c'était en anglais ou la deuxième fois où je suis allé en français? Je pense que quand je suis allé en français, il y avait un gars qui me connaissait pas. Il me parlait après le show, il disait, mais ça, c'était juste par hasard que j'ai venu, whatever. Puis moi, je discutais pour les billets. Puis les billets, je pense que c'était 25 ou 30 pièces. Puis tu sais, qu'est-ce que le gars m'a dit Parce que moi, j'ai dit, ça serait cool des petites places comme ça, s'ils ne me chargent pas, je peux mettre mes billets moins, c'est 15 pièces, whatever. Puis le gars m'a dit, si tes billets étaient moins que 25 je n'aurais pas venu. Ah, oh, ouais. Puis j'ai dit, c'est pas le contraire. Puis il m'a dit, non. Il dit, euh, si c'est 25, si c'est 30 et plus, là, je sais que c'est quelqu'un que c'est une standard, c'est la qualité, il se croit en lui-même, puis c'est quelqu'un de connu. Si tu penses même pas que tu vaux 25 pièces, ah, je... Puis moi, j'avais jamais pensé à ça. Moi, j'essayais de leur donner une meilleure deal, mais le gars <laughs> dit... ouais, m'a dit, non, non, non ça ne marche pas comme ça. On est prêt à payer. On veut payer un peu plus si ça va le même ouais. mais si on pense que c'est trop bas, si on voit ça, c'est comme dans la tête, comme, il ne pense même pas qu'il vaut une ah, bonne man, salaire. Bonne vision, j'avoue. Dès qu'il m'avait dit ça, j'ai jamais mis les billets moins de 25 pièces. Jamais. <laughs> Depuis ce temps-là, 60 pièces mes billets. 60 pièces à... Je veux du Non, j'aime autour de 30, parce qu'il doit payer les salles et tout ça. Autour de 30, je pense que c'est cool. Ouais. Mais euh, j'aime pas quand c'est trop mmh. pour une humoriste non plus, parce qu'on n'a pas une bande, bro. Je, je connais des humoristes qui chargent un peu trop, puis c'est comme, bro, ouais, 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 ouais. Mais c'est pour ça que j'aime, euh, tu sais, PB Rivard, il avait fait euh, payer ce que vous voulez. Rivard aussi, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, que j'aime pour ce, son Patreon, il loue une salle, puis il dit OK, euh, tous les Patreons, vous m'écrivez, vous avez des entrées gratuites, c'est juste pour vous. Oui, c'est ouais. cool. Tu fais fais pas bon pas ça, toi? Tu pourrais faire ça, clairement. Je peux mais... faire ça, clairement, puis je vais commencer à le faire. C'est juste que, eh oui. à cause des deux langues, pour moi, c'est toujours bizarre de qui je vais, qui va venir ah. où. C'est bizarre avec la séparation. et Puis j'ai encore les mêmes questions. J'ai des chants en français, c'est écrit en français, tout ça, puis le monde me dit Hey, uh, is it in English Puis dis, Non, c'est juste en français. Puis même chose, j'ai fait des choses en anglais, puis comme, c'est tout en anglais, il va tu avoir du ouais. français? Alors, c'est un peu bizarre pour moi maintenant, je, je dois trouver une manière de... Mais il va falloir que tu fasses un 50-50, là. Il va falloir que tu fasses un peu comme Sugar Samy. Non, 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 pas. je veux pas faire ça. Non? Non. Pourquoi? Non, ça, c'est une affaire de Samy. Lui, il fait ça bien. Moi, je déteste ça pour moi, pour mes fans, parce que mon public à moi, de qu'est-ce que je vois, j'ai des 100% francophones et des 100% anglophones. Alors, moi, je veux pas que tu payes où tu viens, tu es excité. Puis la moitié du show, tu comprends pas. Pour moi, ça, c'est pas une bonne. Non, je suis vraiment d'accord. Il faudrait que tu fasses un espèce de deux shows en un soir. Peut-être. Ça, je suis plus down. Ça, je suis plus down à faire ça. Ça serait nice. Puis je peux le faire. Je fais mon heure anglais ou français. Mais j'aime pas l'idée de. Même au début, me dire, ce serait plus facile pour toi. Fais le moitié en anglais. T'as pas à penser en français. Puis je dis, mais non, parce que, tu une personne qui est venue me voir en français. Pour eux, c'est une fucking soirée de merde. Là. Ouais, tu comprends ouais. la moitié. Ouais. Tu dis, non, non, si, tu, si tu veux que le monde vienne te voir, mets une fucking effort. Ouais. T'sais? Ouais. ouais. Puis, puis toi, dans le fond, qu ce qui serait cool, c'est que tu, Ton public s'empiète pas. Fait que mettons que tu fais deux fois le bordel à je sais pas quoi, là, 7h30, ouais. 8h30. Ben, ton public, ce ne sera pas le même nous. Anyway. Fait que c'est sûr que tu remplis les deux salles. Ouais. Puis c'est hot, là. C'est fun. Tu faire deux, deux fois le même show. Mais euh, ben ouais, lui, PB, il avait fait. Euh, il avait fait donner ce que vous voulez un moment donné. c'était comme tu viens voir le show, puis tu donnes à la fin ce que tu veux. j'ai trouvé ça intéressant. Puis il y a du monde qui a donné 50$, du monde qui donnait 10$. Tu Comme sais. oh, hein? une église? Et... Ouais, exact. T'sais. Il passes passe le chapeau. Comme une église. As-tu aimé ça? C'est comme une église, mais t'as pas un ouais. sucer le prêtre, toi. Baby, c'est comme Jésus, cest euh... Ouais, c'est vrai. Il en plus, il plus, a lui. les longs cheveux. Ouais, c'est ça. Avec son vieux église euh, de Marlotte. Ouais, ouais. Son rat tail. Ah oui, son bon rat tail. Oh, t'as demandé que ça me fait rire, ça. Le bon rat tail. En ouais. bref mais il y, y, y a des bons concepts comme ça tu sais on change ouais. le game un peu on fait des choses différentes mais l'humour est très très fort maintenant au Québec comme le... mais le pire c'est que je suis pas fan de ça moi je suis pas fan de changer des formules Du Puis, tout mais ben, oui dans, je pense qu'il faut qu'il faut que l'art évolue oui. l'art il faut que le stand-up évolue euh, mais des fois c'est que je trouve que la course à l'originalité c'est pas tout le temps une bonne affaire ok parce que je trouve que des fois c'est genre mettons prends les podcasts par exemple hum. là, genre un podcast, là, si c'est bon, le monde va l'écouter. Ouais. Si l'animateur, l'animatrice est bonne, ils vont l'écouter. Ouais. Que tu me dises que ton concept, c'est Hey, nous, dans le fond, on, on est toutes dégu on a toute une perruque! Nous, c'est un podcast, on parle, mais on a des perruques. Je... Pourquoi? On est dans une donjon. C'est un donjon, c'est un donjon, on a des noms de chevaliers, puis après ça, on fait. <laughs> puis c'est quoi au final? Bon, au final, on jase. Puis la, je trouve que la, la, la finalité de ça, c'est tout le temps la même, c'est. Puis j'ai des amis, en plus, qui ont des podcasts différents, là, où c'est quand même, on parle juste de tel sujet. Puis ça revient tout le temps au même de euh, Ah, ça fait chier, on s'en allait sur un sujet, mais finalement, on n'est on pas allé parce que nous, on parle juste de la campagne, mettons, genre. Ouais. C'est genre, Hey, Pentelus, tu viens, puis t'as-tu déjà eu un cheval? Là, ils parlent juste de ça. Puis là, année, tu pars sur une affaire de, de couple. Là, ils sont comme Ouais, mais attends, on va, on on va retourner sur un autre sujet. Pis ouais. pis là, t'es comme Moi, perso, je suis pas fan de ça parce que je suis comme T'sais, à un moment donné, genre c'est beau le vouloir réinventer la roue, mais quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne. Puis c'est pour ça que je te dis que t'sais, en humour, je, fais, je trouve ça cool des formules différentes, de dire Hey, moi, c'est juste un petit peu plus original L'affaire de PB, je trouve ça vraiment intéressant. Mais au final, un, les gens, s'ils trouvent bon en show, ils vont venir te voir. Ah. Puis que, tu, que, que, tu, que tu fasses quelque chose de différent ou non, ça, ça change fuck out, là. T'sais, puis je, je vois pas où ça, où ça fait évoluer le métier. De changer le décorum, mais que l'art reste le même. Là, en tout cas. Tu viens de parler directement à Poseidon parce que lui, il est frustré avec des gens qui. Euh, parce que lui, il produit les autres podcasts quand okay. on, on loue la salle. Puis il y a certaines personnes qui le font chier parce que lui est comme écoute, tu as besoin d'être. Bon sur le mic, tu vas pratiquer une podcast, c'est juste bon ouais. si tu es intéressant. Ouais. Puis il y a du monde qui le font chier. Non, moi je veux mettre des lumières puis le LED, puis je veux pas que le background est comme ça, je veux puis poser comme un... yo, tu parles de ça quand tu as une podcast de merde. Si tu as un bon podcast, le monde s'en fout. Tu dois pas tu sais même pas ils ont même pas une technique pour parler dans le micro, ils font beaucoup de ça. et hey, alors hier, ah, lui s'énerve. Alors il peut il est comme tabarnak puis il me dit à chaque jour il... Ils comprennent pas, je leur dis, le pre la première affaire, c'est juste d'avoir un une, une, une podcast. Bon, soyez intéressant, mais eux, ils pensent, mais non, nous, on va avoir des extraterrestres, puis on, on, moi, je, je m'inscris à, à l'infolettre lettres de Al-Qaïda. <laughs> puis c'est juste des choses stupides, puis lui il est comme, oh, juste fais un bon podcast, commence par parler. Mais c'est 100% ça, c'est 100% ça. Je suis content qu'on s'entende là-dessus, mon chum. mon chum, asti, parce que, pour vrai, je... tant mieux, là, si ton concept, tu sais, mettons, je pense que... Tu mettons, mon ami Jay La Liberté qui a sorti le podcast. Ça, c'est un bon concept. C'est un excellent concept. Ouais, ça, c'est drôle. Un... Puis ça a pogné tout de suite. Moi, je suis convaincu qu'il va gagner un Olivier. À... J'espère. Il mérite, là. Puis c'est excellent, son concept. Mais mettons, genre, à l'extérieur de ça, là, à l'extérieur du Hey, ça, c'est clair que c'est un concept, c'est le fun, puis ça peut jamais mourir, parce que les personnages, ils vont en exister jusqu'à l'infini. Mais à, à l'extérieur de ça, c'est que je suis comme. Il y a un moment où c'est une discussion, là, tu sais, pis... Moi, mon podcast, c'est ça aussi, c'est juste du one-on-one -on -one en discussion. Puis on essaie d'aller dans des places. Moi, j'essaie d'aller dans des zones intimes, puis d'essayer de, 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 de connaître la personne. Puis il y a du monde que j'ai invité qui ont fait, ben, qu'est-ce qu'on va dire de différent sur ton podcast ou celui de Pantelis, mettons? Puis je suis comme, ben, c'est la discussion, là. Ça, moi, avec, je suis une personne différente. Ben, c'est ça. Avec Pantelis, tu vas parler de telle affaire. Avec ah. moi, tu vas parler d'une autre affaire. Ah. Puis c'est juste ça. C'est... Puis encore une fois, je reviens aux États-Unis. J'ai l'air d'être bandé, ces États-Unis. Mais tu sais, il y a 300 000 podcasts. Puis il y en a plein qui font vraiment. Que ça fonctionne beaucoup. Puis c'est sensiblement la même formule. Mais quand t'aimes le podcast, t'aimes la personne, tu l'écoutes. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ce concept-là, qui ne comprennent pas le podcast. Comme moi, Je j'étais invité. Je suis allé euh, juste pour rire euh, la semaine dernière pour euh, leur parler. Je voulais les aider. De, parce qu'ils n'ont pas une. Ils n'ont pas comme des podcasts. Ils ne font pas des juste pour rire, comme une label, just for laughs, puis juste pour rire, puis ils ouais. produisent des podcasts. Ils n'ont pas ça. Ils veulent, si toi, tu as un podcast, tu travailles avec eux, je pense que tu peux faire de quoi. Alors, j'ai essayé de leur expliquer de comment est-ce que tu peux faire de l'argent avec les podcasts. comment. Puis c'était comme, c'est juste Pat. Pat, lui, il, il catchait un peu, puis il veut faire quelque chose. Mais les autres me regardaient comme, c'est quoi la différence? Je dis, écoute, alors on peut prendre, pour votre concept, je dis, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est prendre humoriste Ça peut être même moi, si tu veux payer quelqu'un. Vous avez tous des festivals partout. Tu sais, uh, Austin, uh, le Moon Tower, tout ça. vois moi Tout le monde est là. Tous les grands noms sont là. Schultz, Tim Dillon, whatever. On, on... Une heure, on prend avec. Même pas une demi-heure avec chacun. Je fais des entrevues fun, humoristes, entre humoriste. Là, t'as fucking 50 épisodes prêts. On commence ça pendant l'été. Puis à chaque festival, encore, quelqu'un là. On fait des entrevues. T'as as pour fucking deux ans, OK, du contenu. Puis t'as des exclusives. Puis tu parles de. C'est tout ça. Puis c'est. Mais c'est quoi la différence? Il y a d'autres podcasts qui parlent. C'est quoi qui nous change? C est, c est puis moi, je regardais le gars, puis j'étais comme, il ne comprend pas c'est quoi les podcasts. Ouais. Lui, il pense que ça va être comme, oh, on a des lasers, puis tout ça. <laughs> le monde, ce n'est pas pour ça qu'il regarde les podcasts. Il veut savoir, tu sais, c'est des conversations différentes. Puis ouais, en plus, ouais. tu as accès à les plus grands noms du podcasting. Bah, tout ben, ça. Oui. Puis il ne comprenait pas. Il dit, non, non, ce n'est pas une bonne idée. Puis je ne vous donne pas, tu peux avoir mille idées de podcasts. Moi, je dis, tu peux avoir ça. Ça, c'est votre flagship. Ouais. Pour, tout le monde rentre, puis ouais. après, dans vos networks, tu as plein d'autres podcasts. Puis quand j'ai vu pendant le meeting que je le perdais, il était comme, mais c'est quoi la différence entre d'autres podcasts? Puis dans ma tête, je comme, ah, oh, c'est pour ça qu'ils vont jamais pogner au podcast. Ils comprennent pas. Si 100%. Ils comprennent pas. 100%. Toi, toi, en fait, toi, tu leur donnais pas, tu leur donnais pas une. Une idée de podcast, non, tu moi, leur donner une possibilité. Une possibilité, puis moi je dis pour vous, je peux aller vous chercher des pubs, je peux faire tout ça, je peux ben vous oui? set puis votre network est set puis après c'est plus facile de créer d'autres shows. Mais c'était comme je parlais à une mure, puis j'ai vu comme, OK, il y a une, à faire une gap de génération. Parce qu'eux, ils voulaient sens. comme une pop, comme, OK, on fait une podcast euh, dans un, une igloo ou quelque chose. Mais dit. le monde s'en fout, ils sont au travail, ils écoutent. <laughs> le monde qui écoute ça maintenant, ils sont pas comme yo ils sont pas dans un volcan. Moi je veux Pantaleste dans un volcan. Non, c'est pas ça. Il manque du sable dans ce podcast là. Moi je verrais les gars dans du sable, tu sais. Il y a quelqu'un maintenant qui travaille à la banque, qui travaille puis puis écoute ça puis comment je je veux juste la conversation entre Pantaleste, il va faire des jokes, il va parler de quelque chose qui vient de passer dans sa vie ou son invité. C'est ça qui que le monde trip. C'est pas comme il y a-tu y a-tu du sable là-bas Qu'est-ce qu'il dit? C'est ridicule. Ouais, puis même des, fois, des fois, je suis un peu comme « Hey, le concept est extraordinaire, mais ton son, c'est la pire affaire j'ai entendu. et c'est un podcast. » Le oh. son est number one. J'essaie oh. de dire ça au monde, qu'ils ne comprennent pas. C'est comme « Je veux du 4K, du 8K, bro. » Le monde va regarder ton podcast, peut-être si tu es chanceux, pendant 6 minutes. Le reste ouais, ouais, du, ouais. Du, de l'heure, c'est pas un film, tabarnak. Ils vont l'écouter, parce ouais. que c'est pas des imbéciles. Ils vont regarder de la même face parler. Ils s'en foutent, ils veulent juste l'information. Ouais, ouais, ouais. Puis, y'a-tu rien de mieux? Y'a-tu rien de mieux? Tu sais, en ce moment, j'ai les écouteurs, j'entends ouais. le son, il est A1. là. Hey, ouais, ouais, c'est bon, bien, ce son-là. Tu l'écoutes dans ton, ton char, tu te sens caressé, tabarnak. Mmh. T'es bien non? On est des amis. On est des amis. Hé, hey, écoute-moi. Salut, salut. Puis, si, ça va, toi? Si ton nom est Sylvain. <laughs> Sylvain, cet épisode est pour toi. Hé, man, moi, je faisais ça avec mon podcast, là, des fois, là. J'ai, mettons, le podcast commençait, puis j'étais comme Salut, Justin. <laughs> ça va? Pis... <laughs> Puis, il y a un d'autre qui m'a écrit. Puis, je pense que j'avais fait Vincent. Salut Vincent. Merci d'être connecté. Hey, bon podcast. Amuse-toi. Puis, il y a un d'autre qui m'a écrit. a fait Man, j'ai tellement eu peur. <laughs> je me suis connecté à ton podcast. Puis, fait Salut Vincent. <laughs> j'étais comme Tabarnak. Je me fais tu regarder, moi, là, là qu'est-ce qui se passe? Ça me faisait pleurer de rire faire ça. Et hey Vanessa, cet épisode, <laughs> cet épisode est pour toi. Écris-moi après, OK? <rire> <rire> non, mais, mais c'est. Les ouais, ils ne comprennent pas. Alors, je parlais avec eux. Puis, ouais. j'étais comme. Ah, j'étais un peu frustré, j'étais comme, tu, tu, si tu me demandes un autre concept, ouais. on va faire ça, mais c'est Puis il peut, si eux, ils créent une bonne network maintenant de juste pour rire puis juste for Last podcasting, puis je leur dis, tu vas voir, dans trois ans, tu vas être comme, oh shit, c'est bon qu'on a fait ça, parce que maintenant, on fait d'argent avec ça, on a une business qui fait de l'argent, ça marche, on peut promouvoir tous ouais. nos artistes, tout ça, mais ils ne comprennent pas, tout le monde veut une bam, right now, une quelque chose, ils ne bon comprennent mais pas c'est quoi le podcast. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, ils vont voir un autre... Le festival faire ça, ils vont voir quelqu'un d'autre le faire, ça va marcher, puis ils vont faire, on veut faire ça, t'es comme, mais c'est ça, ça que je t'avais proposé, mais là, il est trop tard, on a manqué le bateau. Ah. Et ça va être une autre affaire, mais tu sais, c'est pour ça que je te. C'est pour ça que ça fait. En tout cas, c'est ça. Je, je, je trouve que la qualité. Tu peux pas battre la qualité. Ah. Si ton podcast il est, il est bon, il est écouté, les gens t'aiment, il va marcher ton podcast. L'humour, c'est la même affaire. Si, si, quand tu montes sur, sur scène. T'es drôle, c est, c est, ce que tu dis, ça a du sens. Euh, tu sais, moindrement, peu importe, mais tu sais, ça marche, t'as pas besoin Hey, moi je vais être l'humoriste qui se bleach les cheveux en blanc. Euh... Non, on sent encore une liste de ça. C'est rien, on s'en fout, là. Moi, j'ai des LED sur mon chest. Ouais, ouais, moi, j'ai. quand je fais une joke, mes épaules allument, <laughs> puis en rouge, ils l'ont pas aimé. En... On s'en fout, man. Décroche, là. Ouais. Fais juste tes Mais il y a plein de personnes qui pensent comme ça, qui pensent... Euh, tu sais, puis pour moi, c'est. Je... quand ils me demandent, je parle avec eux, mais c'est drôle pour lui parce que lui, doit produire les podcasts, il réalise ça, puis il est comme, yo, c'est des imbéciles. Ouais. <laughs> in... Il me demande des tu questions dit, fous. Des fois, ouais, quand même comme... Qu'est-ce que tu... Ça n'a rien à faire. Tu. T'es comme... Coincé, puis tu restes avec. Il, il y avait un gars qui voulait changer tous les murs là-dedans pour mettre un billboard ou je sais pas quoi. Puis lui, essayer d'expliquer c'est pas juste moi ouais, qui utilise ce studio-là. Puis le gars dit Darn. Mais ouais, mais je veux pas que. Il y a rien derrière moi. Il dit On peut rajouter des choses en poste. Ouais, là, il dit Mais qu'est-ce que tu dis Ça, ça va rien changer de la qualité parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Alors, la qualité va être de la merde anyway parce que tu ne sais pas comment parler dans un, <laughs> un microphone. Alors, mais toi, tu veux vraiment avoir ton billboard en arrière toi. c'est <laughs> ce que ça me ferait que j'imagine juste quelqu'un en ce moment qui écoute, qui est comme « Ah, je, je voulais aller louer leur studio, mais là, ils me font peur, tabarnak. » Tu sais qu ce qui est bon, c'est qu'on aide le monde. Si ben, quelqu'un ben a besoin oui. euh, du montage ou euh, logo whatever, on, on aide ah, oui. où, où ce qu'on peut. Ouais, il ouais, y a certaines ça. personnes, il y a une femme maintenant qui loue ça avec lui, qui lui me dit que moi je ne l'ai jamais rencontrée, mais qu'elle est fin, puis elle sait qu'est-ce qu'elle fait, puis elle aime être trip sur les podcasts, puis elle est calme, tu sais, elle, 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 elle demande des questions, mais on a d'autres, des Italiens, <laughs> que tabarnak, bro, c'est comme ils comprennent non, pas. Non, 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 ça se passe de même. Non, non, elle tape eux. Elle n'a jamais fait un podcast. L'autre fois, lui, il disait. Ça appartient à qui ce, ce podcast, <laughs> ce, ce studio? Comme tu t as, as quelqu'un qui ça depuis 2010 qui fait ça. Comme il sait de quoi il parle, puis. Toi, ça fait depuis 2010? Tu Moi, fais je suis un des premiers au Canada qui faisait des podcasts. Ouais. Fuck off! Ouais. Merci, mon gars. Merci, Esti. Let's fucking go. Bien, au début, le monde me euh, traitait de, de euh, malade mental. Ah ouais, ouais. Que je perds mon temps. Qu que j'étais temps. C'est la radio, sur l'Internet, tu parles à qui ici, ah, c est c est stupide? Sûr. Ça va jamais pogner. Puis moi, j'étais fâché, comme vous voyez pas qu'est-ce qui se passe. <laughs> ah, man. Tu dois être content aujourd'hui, par contre. Ouais, c'est cool. C'est juste que quand il y a des, certaines personnes qui parlent des podcasts, euh, puis ils savent même pas tu sais, ouais, tout ouais, l'effort ouais. qui était. Ah, je sais. C'est quoi le conseil que tu, tu donnerais si, pour quelqu'un qui veut. C'est partir un podcast, mettons, puis c'est quoi le premier conseil que tu donnerais? Écoute, audio number one, comme je vous dis, mettez pas trop d'argent sur euh, les caméras parce que les caméras coûtent plus cher que des bons mics. Si tu veux investir, investis dans des bons mics. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça, l'audio. Puis, soyez confortable avec pas de view, pas de, pas de code d'écoute pendant les premiers 100 épisodes. Ah, 100%. Il y a beaucoup de podcasts. Tout ce que tu fais au début, c'est du pratique. Oui. C'est juste ça. Puis après, tu as un euh, catalogue à l'arrière-toi. Quand ça poigne, le monde peut retourner puis voir l'évolution que tu as fait. Ouais, et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ne sois pas gêné, sors ça, parle. Puis demande. Oh, oh, moi, moi j'ai fait plein de podcasts que les gens me disent hey, Je pensais pas que tu vas faire parce que j'ai juste cinq personnes qui écoutent. Tu as juste à demander. Il y a plein de gens comme moi, même Mike, il, fait des, il y a plein de gens qui vont faire ben le oui. podcast. Ben oui. Juste invite-nous. Ouais. Si j'ai le temps puis si je vois le message, euh, habituellement, j'ai fait le. Ben ça C'est nice ouais. c'est une manière de building une communauté aussi. Puis, moi, ce qui m'a fait capoter, mon gars, c'est que j'ai mon podcast qui s'appelle Tissé serré, puis c'est ça, c'est de l'entrevue one-on-one, jazette. Puis j'avais arrêté en nous parce que j'étais en train de me séparer, puis c'était de la merde, puis j'avais plus le temps, puis bla fait que j'ai fait, hey, je vais arrêter. Je, je l'ai fait, j'ai eu du fun, je vais arrêter. T'sais. Puis là, il y a du monde qui m'a des messages, hey, pourquoi tu l'arrêtes, bla puis du monde, nowhere, là, des, du public. ne savais même pas qu'il existe. Ah. Aucune idée. Des Valérie, chose. Plus, euh, pourquoi tu l'arrêtes? Euh, ben, ben, je sais pas, je, whatever. Vous êtes juste 12 à l'écouter, nous, anyway, c'est pas grave. T'sais. Puis là, man, plus en plus de personnes, des collègues, me disent hey, moi, je l'écoutais, je m'endormais avec, je fais beaucoup d'anxiété. Me... Ok. Puis là, à Noël, il y a un article euh, dans le journal qui est sorti. C'était comme les meilleurs podcasts à écouter euh, dans le temps des fêtes. Puis j'étais le numéro un. Oh, comme, let's go! J'étais genre. Ah, tabarnak, faut je, faut, faut je continue, hein, <laughs> il faut que je le continue. La vie me dit qu'il faut que je le continue. Fait que je leur repars. Euh, je pense que là, quand le podcast va être sorti, il va, il va être recommencé. Let's go! J'étais j't, comme, hey, ben, pis j'aime tellement ça faire ça, man. J'aime ouais, tellement ça. C'est le fun. En ce moment, on travaille. Là. Ouais. Mais on travaille, c'est notre job. Là. Mais j'adore ça. C'est cool, on parle de plein de choses. Mm. Moi, j'aime les beau discussions. C'est vrai, ouais, ouais je suis vraiment d'accord. Moi, moi je voulais faire la, la radio quand j'étais jeune. Oui, moi aussi. Oui, j'avais cette rêve-là, ouais Puis tu... je faisais des, des petites... Euh, euh, ma mère avait trouvé des petites cassettes que j'avais où j'enregistrais, par exemple, comme si c'était vraiment moi qui faisais la radio, puis ouais. je mettais de la musique, puis tout ça. Ah, c'est que c'est hot, ça. Ouais. Puis mettons, tu te ferais offrir, genre, à la radio, genre, whatever, en ce moment, tu irais-tu, tu le ferais-tu? Français, oui, pas... Euh, je pense pas en anglais. Pas en anglais, non? Tu sais pourquoi? Parce que euh, quand j'écoute la radio en anglais ici... Euh, si me laisse faire mes affaires, oui. Pas, pas d'être vulgaire. Je suis comme tu vois dans le podcast. Je suis pas vraiment, Le monde pense que je suis vulgaire parce que je fais de l'humour noir, mais je n'ai pas beaucoup non, de. Ouais. Euh, c'est plus parce que je veux parler, je veux discuter avec le monde. Je veux pas que c'est comme ok, parle pendant une minute ah, mais puis après on met de la musique pendant euh, 75 minutes. Ouais. Mais non, là, pourquoi je suis là Juste ouais. mets un robot. Mais en français, de qu'est-ce que je vois avec mes amis qui font la radio ils parlent, il c'est fun, ils mettent de l'effort. Tu vas sais. tu les écouter, puis eux ils ont mis d'effort, ils ont créé des gags pour ça. Alors moi, j'aimerais le faire en français parce que ça va être comme du stand-up. Tu sais. Je vais mettre de l'effort, je vais rendre le monde heureux, puis tout ça. Puis je peux discuter. Alors ça, ça m'intéresse. Ah ça, ouais. ça, ça, je, je suis vraiment d'accord. Moi, j'en ai fait un peu de radio l'été passé, puis euh, moi, c'était ça. C'était le asti que je trouve ça le fun qu'au podcast, tu peux partir à gauche, à droite prendre un silence, euh, rire, boire un verre. Tu sais, comme... Mais ça, c'était comme tight, là, de genre... OK, on a deux minutes pour parler avec une personne. T'es comme, mais hey, qu'est-ce qu'on qu qu y dit? Qu'est-ce qu'on y dit? Parce que euh, on n'a pas le temps, sti. Moi, je vais aller loin. Je vais aller deep, sti. Je vais aller à tes roots. Mais, ah, ouais, mais il y a quelque chose de fun de le garder tight, puis tout ça. Mais la, la radio, radio, ici, euh, je vois pas... Ils vont jamais m'inviter à la radio. Non? Je suis dans un monde, comme... différent, comme cette communauté-là, je ne pense même pas qu'ils savent que j'existe. Ah ouais Ouais, ouais, c'est complètement... C'est bizarre parce que le monde qui me connaissent, c'est des, des, des fans de, du stand-up. Ouais. Mes cas d'écoute du Frenchcast sont fucking bons. Mais c'est juste que c'est des gens, il y a des gens qui me connaissent pas, puis ils sont dans, comme autour du milieu, mais pas dans le milieu. C'est vraiment bizarre. Le French Cast est dans un domaine vraiment... C'est nice. nice. Ouais, c'est nice parce que j'ai mes propres affaires que ouais. je fais. Puis Mais si c'est weird. Ouais. le seul à le faire, là. Ouais, Mais j'avoue, toi, ça doit tellement être bizarre parce que c'est ça, tu gravites entre plein de monde, dans le fond, là. Il y a souvent du monde qui... Parce que, tu sais, des fois, au bordel, tu t'animes les mardis, je pense. Ouais. C'est-tu les mardis? Ouais. Puis, fait que des fois, on, on arrive dans la loge, puis il y a plein d'humoristes que moi, je connais fuck out, là, Ouais, les anglophones, puis, là. Ouais, ouais. Anglophones, ouais. Puis, j'adore ça, là. J'adore ça. Puis, des fois, je me demande, eux autres, ils se disent-tu, genre... Hey, on va faire comme Pantelis, il hein? faut que j'apprenne à parler plus français ou whatever, puis d'en faire en français. Je, je, honnêtement, euh, le Go doit me donner une plaque parce que si tu vois combien de personnes j'ai motivé à pas juste le faire. J'ai des amis qui font le gang show. Ah ouais? Ouais, des anglophones. En français? Pis, en français. Puis pas juste ça, j'ai plein de gens qui essayent maintenant, puis ils essayent d'adapter l'horreur, puis se pratiquent en français, puis consomment le French cast parce que c'est à cause de mon accent, ça les aide, ça les met à l'aise, tu sais. Euh, puis que lui, il dit comme ça. Ouais. Euh, alors, euh, l'effort que moi, j'ai mis, au moins dans ma communauté, de voir les gens qui viennent envers le français. Euh, et le go, je sais que, <laughs> que ça fait plein de fois que je lui demande de venir au podcast, puis il veut pas venir au Frenchcast. Mais au moins, bro, <laughs> tu dois dire que je fais plus que toi, bro. Le, le go, c'est sûr que s'il venait à ton podcast, c est serait comme. C'est possible de mettre une pancarte en arrière, euh, pis le Poseidon serait comme. fait hey, ta le style. là On n'a même pas les photos de ta sœur, bro. Arrête, hein. <laughs> Mais, euh, non, non, <laughs> mais moi, j'ai mis beaucoup d'efforts. Puis ça, ça me rend heureux de voir. Si tu vois le numéro des humoristes, c'est plus que 10. Qui... Ils font vraiment de l'effort. Ils vont au open mic français maintenant. C'est comme leur carrière change. Euh, puis, on, on consomme... j'ai 10 amis en anglais qui n'ont jamais parlé français, mais je sais qu'ils comprennent, ouais. qui écoutent le French cast. Puis, ils me donnent, si tu vois les messages comme Oh, he... well, this guy is good. Oh, je ne savais pas qu'elle existe, tout ça. Puis c'est fun pour moi de... C'est moi la connexion au milieu, ben oui. tu vois? Mais ben c'est pour ça que l'affaire de juste pour rire, ça serait parfait, tu sais, cette affaire-là. Mais, mais ils comprennent pas. Ils comprenne il, il voient pas plus loin. Euh, ça doit être vraiment comme Oh, j'ai une idée qui va me faire un million de dollars. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, qu'est-ce ouais. que je vois, c'est ça. Ils comprennent pas le long terme. Moi, je le vois, alors. Euh... Ouais, ouais. Moi aussi, je suis très. Euh, je suis très underdog, moi, dans ma manière de penser. J'ai tout le temps été un. T'sais, je pense que je suis bon dans ce que je fais, mais dans le sens. Je suis un marathonnier. Là. Moi, je, je, je suis là pour le long run. Là. Puis, je, des fois, je me dis, je ne sais pas si je vais avoir un, un truc qui va changer ma carrière, mais je le sais que je vais tout le temps être là. Puis je suis bien avec ça, man. Puis, ouais. comme, ça, va être ça, ça va être ça. Les gens, à un moment donné, ils vont faire « Chris ». Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, mais ils vont faire ce gars-là. C'est intéressant ce qu'il fait. Puis, il le fait depuis longtemps, puis il ne lâche pas, puis il continue. Oui. Mais moi c'est drôle parce que même pendant les oliviers, le French Cast était nominé l'année passée, l'année dernière. Ah pour vrai? Ouais, okay. c'était cool. Moi, moi j'ai aimé ça parce que pour moi, c'était juste comme Hey, shit c'est nominé. Déjà pour moi, c'était une victoire. C'était cool. ben oui. Cette année, on n'était pas nominé. Euh, que je trouve bizarre honnêtement. Le French Cast, bro. Euh, ça devait mais, être nominé à chaque année. Mais eux, ils demandent ils demandent tes euh, stats. ouais ils m'ont demandé les stats. Puis c'est qu ce qui est drôle. J'ai vu qu'après, quand j'ai envoyé les stats, euh, j'ai envoyé les mauvais stats. Yeah. C'est quoi, t'as envoyé Les stats de quoi Non, non, c'était parce que euh, au lieu d'aller directement pour voir, moi j'ai juste euh, pris la source où on envoie parce que moi je pensais que c'était euh, accurate, mais apparemment c'est juste, ça montre juste euh, où les pubs étaient sorties. Alors c'était beaucoup moins de la réalité. Ok. Mais j'ai vu ça, c'était quand même bon, mais c'était beaucoup moins de la réalité. Mais ouais, comme, ouais. bah, Either way, on s'en fout. Ouais. Parce que moi, je, si c'est pour les cas. Là, ce serait stupide de ne pas me nominer à cause des, des cas d'écoute parce que ouais. moi je pense que c'est la qualité. Je pense que le French cast, c'est quand même dans un domaine bizarre mais bon au Québec parce que je peux recevoir n'importe qui. Ah 100%. Et puis ça c'est spécial parce que qu'est-ce que je vois? C'est pas tous les podcasts qui peuvent faire ça, c'est peuvent se permettre à cause de l'historique que tout le monde a. Mais moi, à cause que je suis nouveau dans ça, puis je suis curieux. C'est fun d'avoir n'importe qui. Je pense que ça rentre. Mais c'est pas pour moi, les Oliviers, même à ça. Moi, je trouve de juger l'humour, c'est bizarre. Déjà, je suis un peu. Ouais. C'est bizarre, mais c'est comme si je voulais rentrer dans ça parce que tout le monde le fait, puis c'est comme je dois le faire. Ben, c'est que je pense que c'est un beau push, surtout pour toi, mon gars, là, qui vient de complètement dans un autre monde, là, puis le t'es capable d'avoir une nomination dans le showbiz francophone. C'était cool. Ouais. Oh, c'est une fucking nice milestone là, que t'as réussi à faire, là, mais c'est que je pense c'est vraiment juste... Tu sais, moi, moi, je vais pitcher mon podcast si je sens que j'ai des chances, mettons, dans ma tête. Puis si je gagne, c'est juste parce que je vais, je vais dire au monde hey, « j'existe en passant, puis il est le fun de mon podcast, écoutez-le. les ah ouais. Mais à part ça, là, ça ne change rien. Ça ne change vraiment rien, puis... Il y a des podcasts qui. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont déçus, puis. Ah, hein, j'ai pas gagné, ou j'ai. Non, mais c'est subjectif, nominé, mais... ça, je m'en. Moi, je savais, depuis le début, début, quand j'étais nominé, j'ai dit à tout le monde, c'est sûr, qu ouais. sûr que c'est couple gagner. L'année passée, j'étais 100% sûr que c'est eux, puis je trouvais ça bizarre si c'était pas eux. J'avais dit ça au début. Euh, parce que de qu'est-ce que je comprenais. c'était que c'était quand ils font des tournées, puis tout ça. Alors, euh, moi, j'avais mes raisons pour lesquelles je pensais que ça va être eux. Ouais. Mais. Ben, tu moi, mettons. Tu sais, Mike, c'était le premier, je pense, à pitcher son podcast. Puis même qu'au début, je pense que si tu écoute, c'était genre série web. Ouais. Il n'y avait même pas des prix pour les podcasts dans le temps. Puis je pense qu'il avait gagné deux, trois années de suite. Puis à un moment donné, il a enlevé son Lui, il enlevé parce qu'il veut que. Parce qu'il dit Écoute, la manière où il juge ça, je vais toujours gagner. Mais ben, c'est la le plus grand show au Québec. S'il ne gagne pas, ça serait bizarre. Alors, euh, il dit, non, moi, je vais m'enlever parce qu'on a besoin que d'autres podcasts ils gagnent mais oui. pour montrer que la scène est forte, puis il y a d'autres podcasts. 100%. Ça, ça, bon. Mais c'est pour ça que je pense que, tu sais, mettons, mettons, je sais que Thomas, il avait gagné Couple Ouvert. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je ne les connais pas, mais dans ma tête, je me dis, si tu as gagné à tes deux podcasts que tu as, ou tes trois podcasts que tu as, tu n'as pas besoin de retourner, là. Ah ouais, ouais. Moi, je peux voir ça. Ben, ça ouais. Moi, je pense que ça ne sert à rien que tu... On gagne trois trophées. Dans le sens, si tu l'as gagné une fois, ben, étais, le stamp est là. Tu es vu comme même. Hey, cette année-là, tu étais le meilleur podcast. Puis après ça, ça permet à d'autres podcasts de émerger, puis de gagner, puis que tout le monde en ait plus notre part du... Mais après ça, si tu veux gagner à chaque année good for you, mais dans le sens que je pense que tu es mieux de gagner, puis de faire, bon, mais place aux autres, moi, j'ai gagné, puis... Je sais pas, je pense qu'ils ont fait ça aussi. Je sais pas s'il a nominé tous ces podcasts tout ça, ou maintenant, il veut juste gagner une autre avec De Prince. Avec le bon trifecta. Il veut le trio, Ah, il devrait chasser ça. Je comprends, je comprends. C'est si chaque podcast que tu passes, tu gagnes une autre vie, t'es quand même un bon salaud. Alors non, c'est bon, ça, mais c'est bon que ça existe pour montrer les podcasts des gens qui savent pas, c'est podcast, mais pour moi, like, euh, même C'était bizarre, même euh, oh, ah, je dois -tu, ça fait-tu partie du système, je dois faire ça parce que tout le monde fait ça. Puis même cette année, quand j'ai rentré pour les nominations, j'étais même comme c'était la dernière minute. Je comme fais-tu, je veux pas mm -hmm. vraiment ouais. Après je t'ai même pas nominé à la fin, là je comme pourquoi j'ai mis d'efforts. Uh, ouais, ouais. Mais toi, ouais, ouais. Ouais. mettons, mettons je trouverais ça le fun, que tu le gagnes parce que ça serait juste... Mais ça, ça, ça serait bizarre pour tout le monde, même les anglophones. comme Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les Olivier? Qu tu ben, serais le premier, mon gars, à ouais. faire ça. Puis là, je pense qu'il y aurait des anglophones qui font comme ok. okay On euh, doit regarder euh, qu'est-ce qui se passe. Ça serait bon, ouais, comme con. Comme... Mais je pense, même même euh, la madame qui travaille là-bas, que j'avais rencontrée, elle était très gentille avec moi. Mm -hmm. Mais je sais pas qui gère ça, comment c'est géré. Je, je sais pas tout le monde. Je sais qu'il y a comme une board, mais je sais pas comment ça marche. Ouais. Tu ton trophée. Ça, c'est. Je, je pense qu'il coûte genre 150$. Tu le gagnes, mais faut que tu l'achètes mais ça c'est cool ça, les autres. Ouais, ça ça ça, ça. ça, ouais, ça, 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 ça m'énerve pas ça ça me dérange pas parce que je sais que tout coûte d'argent puis ouais. y a pas ça c'est cool c'est juste que je ouais je me doute pour l'humour c'est bizarre de ju le juger comme ça parce que il ouais, ouais, ouais. y a certaines personnes que je vois là bas comme ils, ils ont pas gagné mais je suis comme mais fuck elle est drôle lui est ouais. fucking drôle aussi ouais. on devrait tu mais moi c'est que j'ai moi c'est que j'ai j'ai peur pas j'ai peur mais j'aime pas ce genre daffaires là les concours puis tout parce que moi dans ma tête je vais jamais gagner. Ça c'est ça dans ma tête, c'est même pas défaitiste, mais c'est juste Moi moi juste, je m'en fous de gagner parce que ça, ça, c'est comme c'est fun d'être avec des amis puis tu gagnes quelque chose mais veux veux pas à la fin de la soirée, tu es la même personne, tu retournes ouais, à la normalité. 100%, mais tu sais, moi même dans le sport, tu sais. Dans le sport je veux gagner. Mais moi aussi, parce que le sport c'est une compétition, c'est pas comme l'art. Ben exact. Le sport c'est 100% de compétition. Mais il y a quand il y a quand même une partie de moi qui, en ce moment, pour moi, je vois pas ça comme, comme une compétition, l'humour. Puis je suis comme je me vois pas être. J'en connais là, qui sont comme Ah si je vais être le meilleur. Je vais être la meilleure, je vais être la meilleure. Moi, je l'ai, je l'ai pas ça, je ne l'ai jamais eu. Moi, je suis déjà le meilleur. <laughs> oui, toi, t'es 100% le meilleur, dans ce que je fais, <laughs> tu fais, pas ça il est comme Ah, calice. Fuck this mais... guy. Ouais. Mais, non, non, mais... Je, suis juste, je suis juste malade, man. C'est tout. Je souffre en ce moment. <rire> <rire> C'est vrai que depuis le début du podcast, il est comme. Ah ouais. Non, ça fait quelques jours. Hé, hey, j'ai une question pour toi. Quand tu sors avec les cheveux mouillés, tout le monde dit non, tu peux pas tomber malade. C'est juste une mythe. Mais toute ma vie, quand je faisais ça, je tombe malade. Lui, il vient de faire ça, puis il est tombé malade. Et ah ouais. maintenant, il est comme. What c'est même pas vrai, mais je peux. Tu sais, j'ai tombé malade, et tout ça. Je dois dire la vérité, ça m'arrive beaucoup que quand je sors avec les cheveux mouillés en hiver, je tombe malade. M moi, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Mais moi je pensais c'était pas vrai mais ça m'arrive tout le temps, j'avais dit ça dans le loge l'autre fois puis tout le monde me regardait comme t'es stupide ça marche pas comme ça je sais que es... mais ça m'arrive tout le temps faut une non, faut il faut écouter les mères. C'est une coïncidence? Non, il faut les mères. Non, oui, 100%. Il faut tu mettre des oignons dans tes bas puis tout. Il faut tes écoutes. T'as pas le choix. <rire> <rire> tu sais, ces trucs-là. Là? Ma tante, elle me dit de, de, de garder du garlic dans mes poches. <laughs> à cause des vampires. <laughs> ah, c'est pour ça, d'abord, quand on croise, on peut pas s'aider, on est comme. T'es un que ça sent. <laughs> 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 c'est pas, pas juste la sueur. Ouais, c'est ça. <laughs> c est c est ça. Tu fais fasses. beaucoup de sport, hein toi. Non, beaucoup d'escalier. Tu joues-tu du sport maintenant? Euh, ouais, ben là, je m'entraîne beaucoup quand même, mais parce que comme je te dis, je me suis séparé. Fait que quand tu te sépares, t'es comme, OK, le, le, là, faut que je redevienne la meilleure version de moi-même, là, tu Ah, mais. Euh, Dominé Tinder. Ah, ouais, ah. ben, tu sais, même pas les, les réseaux, mais tu sais, on dirait que quand tu te sépares, il y a comme un. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, T'es comme moi, okay, il, il faut que je lui donne une raison de regretter, genre. Mais, ouais, ouais. Mais, ouais. mais le pire, c'est qu'on sait même pas, c'est même pas elle qui m'a laissé, c'est les deux, on a fait, ah, on est plus heureux. Mais ça reste qu'après, tu veux quand même te donner une raison que, je suis quand même. Elle a, est perdu, cool. elle a perdu un gros morceau. Elle, quand a, même. Perdu, ouais, ouais. elle non, a perdu, ouais, elle a un gros ça. morceau quand même. Mais c'est complètement zéro rationnel de penser de même. Mais je, on dirait que m'entraîner, ça me fait du bien aussi pour ça, l'anxiété, tout. Euh, ben j'ai fait du sport toute ma vie, là, hockey, foot, euh, okay. mais on dirait qu'en vieillissant, man, ça coûte cher le hockey. Ça coûte cher le sport d'équipe en vieillissant. Là. Ouais. Fait que moi je suis comme bah tu sais, moi aller jouer au hockey. Ok, tu vas jouer au hockey ball, c'est moins cher. Ouais, je sais. Il y a des humoristes qui jouent euh, au hockey ball. faudrait que j'y aille. Moi, ouais, ils m'ont invité tu plein tout? de fois. Ouais. Moi je jouais, j'ai arrêté, euh, moi je jouais chaque samedi, mais la ligue où laquelle euh, je jouais, j'ai arrêté parce qu'ils m'ont fait chier. Euh, ah ouais je suis dans une bataille avec quelqu'un ah c'est ça c'est dans ça, ça mais c'était pas ma faute euh, moi je <laughs> me défendais puis moi j'étais juste fâché parce que la réaction de le gars qui gère la ligue ouais. m'a vraiment fait chier il était comme faut tu t'excuses non, non c alors le gars a commencé avec moi moi je le dérangeais pas whatever il était trop rough, il était fâché après moi puis après il commence à me donner des coups dans la tu sais des des punches dans ma face alors les premières deux moi je laissais faire je dis bro tu vas pas faire ça Attends, pas tu bon t'es fait puncher sa aïeule puis tu l'as laissé faire. Ouais, ouais, puis je lui ai dit, tu veux pas faire ça, ça va pas terminer bien pour toi. Alors lui a continué, puis je lui ai dit, ok, là j'ai donné la chance. Alors là, je l'ai pris, man, c'était comme une fucking ragdoll tu sais. Alors, puis je l'avais dans une chokehold cold, puis après, c'est euh, son fils était fort. Ah, son fils était là, puis il est comme, mon père, arrête de se traiter, mon père. t'es en train de péter à euh, au père d'un enfant? <laughs> ben, c'est pas un enfant, c'est un adulte, mais il est jeune. Alors là, ça moi, j'étais comme, ok, tu sais, j'avais arrêté, mais je suis comme, hey, écoute, c'est lui qui a commencé, il m'a frappé avec son bâton. Après, il m'a donné dans la face, je l'ai même laissé faire parce que je savais qu'il était trop petit. Puis, tu sais, moi, je suis plus grand que lui. Puis après, je dis, ok, il y a des limites quand même, tu sais. Alors là, le gars qui gère la ligue m'envoie une email. Bro, je t'ai fucking fâché. Il me dit, ouais, euh, euh, on, on, tu vas être suspendu pendant trois semaines parce que, tu sais, le monde, ils ont peur de toi. Ils veulent pas. Te, euh, parce que, c tu peux pas réagir comme ça, voilà. Puis, Pardon, moi, Ils ont peur. Personne n'a peur. De quoi tu... C'est pas moi qui ai peur. Moi, j'ai réagi très très fort bien. Très calme en plus, de tout ça. Alors, j'étais fucking enragé. Puis après, le gars où, où je me suis battu avec, lui a envoyé une email, il dit Yo, ça, c'est ridicule, je ne peux pas le suspendre. C'était okay. moi qui a, a commencé, moi, je l'ai frappé. Okay. Le gars il était d'accord. ouais hein? puis le gars a dit Pantelis avait raison, il pouvait me tuer, puis m'a pas, il m'a juste gardé pour que je. Alors, ça, c'est la dit, maturité. Oui, le gars était vraiment mature puis il a dit Écoute, c'est exagéré votre affaire. Était... Lui était euh, 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 vraiment rationnel avec moi puis même dans ça tu sais je le frappais il pouvait devenir fou puis il est plus grand remue pour me tuer il a pas fait ça il m'a il m'a vraiment juste choqué pour que je, je me calme. Il, était, il était fin il m'a juste étouffé ouais c'est juste ça puis il pouvait faire plus alors là il dit ça c'est exagéré votre affaire puis il m'a même envoyé un message dis, écoute moi juste pour que tu saches moi j'ai envoyé tel email je dis au gars que c'est exagéré leur affaire de qu'est-ce qu'ils disent de toi tu sais, personne avait peur de moi moi n'ai même pas commencé moi ouais. je, je me chicane jamais avec le comme je me jamais avec je me chicane le temps mais je me jamais avec le monde alors quand je suis seul, moi j'étais comme écoute si c'est comme ça, bro, moi je retourne pas. Fuck that. Si tu veux être comme ça, parce que je sais que c'est pas vrai, tu exagères. Alors moi, je veux rien faire avec, avec, avec toi. Après là, il dit Oh non, mais tu sais, ok, tu peux venir la semaine prochaine parce que le gars s'excuse. Non, non, Le gars s'excuse. Toi, tu étais là, tu as vu qu ce qui s'est passé. C'est pas parce que le gars dans un email te dit T'as tort, Pantalus doit pas subir ça, parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Toi, tu as menti parce que tu as dit dans le premier email que le monde a peur de moi, puis tu, je peux pas réagir comme ça. Quelque chose qui n'est pas vrai. Personne t'a dit qu'ils ont peur de Tu as juste fait ça. Pour ouais. que tu aies une raison puis tout ça, alors moi j'accepte pas ça. Fuck that, bro. Moi j'ai d'autres choses à faire, <laughs> je retourne pas. C'était ça. Ah ouais, puis ah. surtout si le gars que t'as que un peu pété sa yell, il était comme non, non, il avait raison. Ouais, c'est de... ça, le gars dit avait complètement raison. Puis il a même dit, yo, écoute, le gars, il, tu sais, le gars est beaucoup plus petit que moi. Alors Mais le gars a même dit Il pouvait me tuer C'est bon, c'est bon qu'il ait dit ça, genre. Hey, moi j'ai eu pas rapport pis. Très mature, oui. le gars. Très ouais, mature. Ouais. Mais pour de vrai, moi, ça, je respecte tellement ça. Mais ouais. Ouais, à ce moment-là, si les deux qui se battaient, ils ont fait ta hey, guerre, ça n'avait pas rapport, désolé, tu n'as pas besoin de... de suspendre personne. Personne. Là. Moi, je me dis, même lui, pourquoi tu le suspends Je comprends qu'il est régé comme une merde, mais ouais. ça changerait. C'est une adulte, ça ne change rien. Ouais. Il va pas, on ne va pas créer notre propre. C'est les mêmes gars qui jouent chaque samedi. Mais moi, tu vois, c'est ça qui m'énerve du sport d'équipe en vieillissant. C'est qu'il y a du monde, vrai, qui pense encore qu'il faire la NHL. Mm. Moi, je vois dans une équipe, de, dans une ligue 3 contre 3, il n'y a pas long. Là, pis... On se passe qu'on contre des équipes, mon gars, là, de genre Le Monde, il -y, y, y avait le goût de se battre. mais quand même, man, on, on a mal dans le dos ici de tout le monde qu'est-ce oh, là <laughs> on va, comme, penses tu penses-tu vraiment? Il n'y a personne ici qui, y a personne qui va te scouter pour aller dans la NHL. Relax, Le mec Mais c'était fait... ça, moi j'étais comme qu'est-ce que tu fais? Je le laissais faire. Il m'a même donné des coups dans la face deux fois puis j'étais comme Bro, tu veux pas faire ça, ça va pas te terminer bien pour toi. Toi, là, tu à l'air d'un gars doux, mon gars, mais je, me, je te ferais pas chier. C'est vraiment ça. ça hein? J'ai mis les, si, si tu dépasses mes limites. Là, si je, je suis un démon. Mais ça prend beaucoup pour que je dépasse mes limites. Je, je suis quand même rationnel parce que je, je connais ma force, je sais. Alors, je ne vais pas exagérer. Mais bro, euh, que tu me frappes dans le face, je, je te laisse faire la première fois, la deuxième fois, puis après, c'est comme « OK, bro, je dois faire si, Tu ça. es battu souvent dans ta vie quand même Quand j'étais je jeune, oui. Oui ouais, Quand j'étais je jeune. Mais plus maintenant. je suis un adulte, je ne veux pas faire ça. Oui, puis là, c'est comme quand tu, quand tu vieillis, tu vois toutes les conséquences, tu fais « bah. Que... J'étais chanceux. J'étais chanceux. Vu, euh, moi, j'étais très chanceux que personne ne m'a fucking tué. Puis j'ai vu des choses. J'ai vu des, des gens, même juste dans des batailles, qui ont eu des conséquences à vie. Ah ouais. Alors, c'est comme fuck, je suis chanceux, puis ça vaut pas la peine, man. Puis en plus, tu peux parler avec le monde, tu peux te chicaner avec du monde. T'as pas besoin d'être violent physiquement avec eux. Ouais, tu sais. ouais. pas... Alors moi, j'essaie d'éviter le plus possible. Mais écoute, tout le monde a ses limites, tu vois. Quand tu reçois deux fois un coup de crash-check <laughs> sur le nez. Euh, Mais ouais. c'est vraiment ça. Juste, même, même lui, tu vois, c'est un bon exemple que j'avais donné des chances. Beaucoup, beaucoup de chances. Mais après, j'ai comme « écoute, ça ne va, va pas arrêter si je fais rien. Alors, je dois devenir un ouais, euh, fucking ours. Mais autre que ça, non, moi, moi, je suis un gars qui. Je veux la paix. Euh, je suis contre la violence. Je suis contre la guerre. Je suis contre les guerres en général. Je veux vraiment, vraiment. Euh, je suis anti-violence, anti-guerre. Mm -hmm. Mais tout le monde a ses limites, tu vois. C ben oui, pis il faut, là, man. Tu peux pas te faire euh, crisser des coups sa... dans, dans la face pis être comme... Non, non, mais j'aime pas la guerre. C'est comme non, non, Exactement, mais, ouais. Si tu me frappes, je vais te frapper, ça c'est sûr. C'est ça. Mais euh, C'est ben, ça mon stin. J'ai ça pour mourir, mon gars. J'étais euh, allé. J'étais allé un moment donné. J'étais avec des. Ça fait vraiment longtemps. j'étais vraiment jeune. J'étais dans un bar, pis il y avait tellement de monde, mon gars. C'était tout petit. Pis il y avait comme un doute qui m'avait comme vraiment. Comme Rentré dans les. Il était fâché de quelque chose, là. Tu sais, comme il arrivait fâché de quelque part. Il m'a comme hit avec son épaule. Puis je me suis comme juste retourné. j'étais comme. Ça va, buddy? J'étais comme, qu'est-ce que t'as dit? J'étais comme. J'ai dit, ça va, là. T'es sérieux que ça, ça te fait chier, là? Répète ça, man! Ça va? J'étais comme, ah, oh, bro, ça J'ai dit, ça va. Je t'ai pas dit, aïe, hey, trop de cul. J'ai hum. dit, ça va, man! Comme, tu veux ce qu'on a réglé ça dehors? Comme, <laughs> Régler quoi? Je te Rég... demande comment ça va, Stig? Mais ben, je vais te dire dehors. <laughs> On va aller dehors. La vérité, c'est que je suis bandé. <laughs> »« <C 'est ça. rire> Honnêtement, je te trouve cute. Ouais, ouais. Je <laughs> euh, suis pas fâché. Je suis excité. <laughs> Moi, je me demande si ça, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as dit? Je te trouve sexy. Hein? Puis, tu avais une blague sur ça ça ah marchait ouais, pour lui il, avait, il parlait à, à la blonde de quelqu'un puis le gars était fâché puis preach a fait vraiment flamoyante. « oh mais c'est ça lui est cute puis ah le oui, gars était oui, comme Oh, bah, encore oui, ouais, ouais, il y avait une bonne gag sur ça ouais, il était comme ah c'est une belle pièce d'homme là il ouais. a même, ouais. <laughs> Pre preach il a tellement deux personnalités là c'est genre preach est un artiste lui il peut faire plein de choses différentes ben, il est d'un dans il danse aussi puis quand ça me fait juste rire que quand tu le vois sur scène, des fois, il rentre dans des persos qui, comme... Oh, my God! Euh. Tu le vois marcher dans la rue, ce gars-là, puis t'es comme, tabarnak, je veux pas faire chier, ce gars-là. Euh, ouais. T'as-tu raconté la, la, la fois au bordel où j'animais, puis euh, ça l'a échappé? Oh, les pompiers? Ouais. Dude, la journée après ça, on était... Euh, on est à Washington, alors on était tout ensemble dans, <laughs> dans, dans l'avion, puis tout ça. Alors, euh, juste avant, tu sais, euh, au resto il disait l'histoire puis Man. moi je pouvais pas j'étais comme quand il dit hier bro tu veux que je te raconte ouais hey, le... <laughs> moi j'annais mon bordel ce soir là preacher le show puis il euh, y a une gang dans le bordel, dans le pub du quartier latin euh, qui, euh, qui sont là depuis 5 heures le show est à 9h30 puis ils sont ils ils boivent, là. Ils boivent comme des débiles puis tout puis même que Charles Seguin qui est comme le directeur un peu technique de tout ça viens me voir, puis il est comme « Ouais, les autres, ils vont être quelque chose. » Puis là, je fais comme « Ben là, d'où, euh, si ils sont, sont décrissants, on va pas les faire rentrer, non? on va pas… »« Non, non, mais tu sais, je les ai avertis, puis il y a un gars là-dedans, c'est comme le leader, bien correct, puis tout, puis pa, parfait. » Mais je dis à Charles, je dis « Là, Charles, mettez un Dorman à côté, là, tu sais. » Le Dorman, c'est euh, le bon euh, Max Capone, <laughs> le, le bon, bon, euh, bon Italien, je pense, là, puis puis là, je suis comme « OK, au moins, c'est Max, il est quand même grand, puis il est barraqué, tu sais. » Fait que commence le show, son déjà 100% en train de déranger les gens. Je commence mon animation, puis ça parle, puis ça parle. Puis tu sais, moi, un peu, en... je veux pas leur donner trop de jus, parce que si je leur donne trop de jus, je le sais qu'ils vont... Ils vont sentir qu'ils ont besoin d'en faire plus. Ouais. Mais en même temps, je veux pas non plus rien dire, parce que tu parles, tu sais, en joke, je suis tout le temps un peu en train de faire un coup dans les gars, fermez mais votre va les aïeuls. <laughs> puis là, je continue. Mais Preach, il ouvre le show, puis lui, il est dans la salle. Puis là, il, 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 il y a du monde qui vient le voir. Il y a un dude à côté de Preach qui dit... Si ici, tu vas pas leur dire de fermer l'oriole. Il dit, moi, je vais y aller. Ouf. Le dude, c'est un dude qui a l'air de, de savoir ce qu'il fait. Là, fait que là, Preach est comme, all right. Fait que là, il va voir les gars, puis comme les boys, arrêtez de parler, blablabla. » Le Dorman, ça faisait trois fois qu'il leur disait, il ne faisait rien. Fait que là, les gars sont comme, ah, non, c'est bon, c'est bon. Puis comme, non, non, mais je vous le dis, arrêtez de parler quand le show commence, genre, tu peux pas parler, blablabla. » Parfait. Parce que Preach a déjà été euh, Dorman au bordel aussi. Ouais. Fait qu'il est comme dans un peu dans son... Euh, son, son ADN de, de faire ça, genre. Fait que moi, je présente Preach. Il est en bac sur scène. Euh, il fait un peu de joke. Ça parle. Il est comme « Les boys, voyeul, merci. » continue. Ça parle. Il est comme « Les gars, là, je vous avertis tantôt, j'ai averti live. Arrêtez de parler, là. » Et là, le gars, il fait juste répondre « Ah, on essaie d'être encouragé, tabarnak. Oh. » Le Preach est comme « Hey man, si tu veux m'encourager, ferme ta gueule. » Et là, ça part, bro. Ça s'envoie <laughs> chier. Ça s'envoie <laughs> chier de bord en bord, le gars. Il se lève debout, le gars. Ils sont genre 12, 12 pompiers, man, de 12 pompiers, 12 pompiers, 12 mon gars. Puis là, t'as juste Max Capone à côté qui est comme <laughs> Co <laughs> commande les gars, et tout. Puis là, ça s'envoie chier. Et là, dans le public, le gars qui avait dit à Preach « Je vais aller l'avertir. »« Hey, fermez donc vos gueules. On a tout payé. » mon gars, ça part en couille, là. On est comme, <laughs> fuck, God fuck, damn. fuck. Pis là, Preach, il est même plus en mode, genre, je suis un humoriste, là, il est genre, hey toi, là, je suis content, Nasty, d'avoir été dormant dans la vie parce que moi, je vais te sortir par moi-même, Nasty, pis tout. Puis là, hey, moi, je rêve de voir ça, Nasty, de mes yeux, là, genre, je veux voir Preach. Et là, le gars, il dit, tu sais-tu combien ça m'a coûté, tabarnak? Sais-tu combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 500, euh, 400 genre, enfin affaire de même. Le Preach fait, combien ça t'a coûté? 400 il sort de sa poche bro. Non. Oh, il yeah, une palette de genre 1000 pièces. <laughs> Je dis même pas 1000, 1000 cash. <laughs> il fait juste compter dans sa main là, tu sais, genre de Il donne au gars 400. Tiens, Steve là ton 400 décalisse Oh, bro, <laughs> I love it. Power move. Le, le gars, il arrive proche du bar genre, comme et, euh, proche de la scène, puis comme OK, let's go. Il pogne le cash. Il fait "Ah Steve on décalisse. » Puis là il dit à Preach. Him. Il dit, hé, oui, je m'en calisse avec ton esti de salaire de crève-fin. Genre, continue. Puis, ils s'en vont, Les gars, ils s'en vont. Mais il est encore en train de dire, ton esti de salaire de crève-fin, blablabla. Puis, le preach va juste faire, Eh oui, mon salaire de crève » Les gens, ne savent pas, mais moi, je suis millionnaire, tabarnak. T'es fan de ta de. Je millionnaire, ouais. Je ça que sa chaîne YouTube, même. Oh, fuck. Multimillionnaire, est Puis, là, c'est genre, les gars, ils s'en vont. Puis, tout, mon gars, le preach, il a fini son numéro, bro. Mais, genre, tu sais, le monde dans la salle, sont comme tabarnak. Il finit son numéro, ça ne marche pas, là. Il débarque de scène, moi je m'en vais sur scène, je fais comme, Colin, ouais, ok, puis là je dis, je dis au monde, je dis, asti que je suis content que preach son ancienne job c'était Doorman, parce que moi mon ancien job, je travaillais au Toys R Us. Fais comme moi, tout ce que je peux faire c'est te pointer son où les batteries 2A, c'est tout ce que je peux faire. ça c'est bon. Mais eux autres, ils étaient encore dans le bar après ça. Ils continuaient, même à faire chier. Puis, Je te le dis, c'était. C'était Preach, il est parti, mon gars. J'ai écrit après. J'étais comme, hey, good job pour tu comme, non, excuse-moi, man. Genre, je l'ai échappé. Puis, j'étais comme. Non, non, il a bien fait. Il a fait tout ce qu'il pouvait dans le moment, là. C'est ça que je trouve tough, des fois. C'est que les humoristes, mettons, on a une responsabilité de. Il se passe ça dans la salle. Puis, nous, il faudrait que. D'une manière qui n'existe pas, il faudrait qu'on trouve une manière de rendre ça drôle. Mais, des fois, man, tu pas. il n'y a rien à faire il y a rien à faire des fois moi je suis là pour faire des jokes eux ils écoutent pas ils dérangent tout le monde qui ont payé il faut qu'ils se fassent sortir et des mecs about it genre tu sais ils s'en vont puis là le monde sont plus dans le mode de rire fait qu il faut que je parte la machine c'est tough man des fois là. Puis, de repartir après ça c'est très très tough. tu sais man des fois c'est comme les gens, ils ont dit que je pense qu'ils comprennent pas l'ampleur de l'énergie dans une salle d'humour, de genre si tout le monde a du fun, on aurait tellement plus de fun. Mais si tout le monde est un peu à part, genre, comment tu veux des mes jokes là Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais tu sais quoi Tu sais l'année passée où on avait tous ces, avait toutes ces euh, les feux dans les forêts oui. et tout oui. ça, c'est à cause de ça. C'est parce que les pompiers étaient sous au bordel. <rires> <rires> on peut je arrêter ça, <laughs> ça, bro. C'est la faute de Charles Séguin. Bro, c'est fucking drôle ça. Mais plus... Jay, dis-moi. <laughs> j'ai juste... besoin d'aller pisser. Vas-y, vas-y. Euh, euh, je... T'as-tu, je veux pas oublier, t'as-tu des choses à plugger? Euh, ben oui, oui, oui. J'ai déjà plugué un peu, mais tu sais, j'ai mon show sur YouTube. Allez voir ça, J'ai fourné à la place des arts. C'est euh, 60 minutes de mon matériel que j'ai fait dans toute ma vingtaine. Puis je chantais qu'il était temps pour moi de genre. Écrire du nouveau stock, puis. Fait que c'est juste c'est là. Fait que si ça tente d'aller m'encourager, va, va voir ça, laisse un comment, blablabla. Mon podcast, c'est serré. que tu vas venir, bro. Tu vas, ouais. On va venir, On va jaser euh, chez nous. Puis uh, that's, it. that's it. Les liens sont déjà dans la description. Je mets les liens dans la description. C'est beaucoup plus facile. Euh, pour ton special, puis pour le podcast. C'est facile. Puis t'es plus actif euh, sur Instagram toi, ou Facebook ouais. ou okay. Instagram. Les liens, les liens sont là. Toutes les liens sont là. les liens sont là. Puis Promessie est devenu. Prochaine fois, on va faire ça plus long. Euh, J'ai juste besoin d'aller à la toilette. Mais Jay, euh, bro, merci d'être venu au French Cast. Merci, mon gars. L'invitation, c'est un plaisir, les boys. Je vous adore.